Ça, c'est parti. Allez, on y va, Bezrat Hashem, pour un bon shiur de Torah. Baruch Hashem, Elou Nishmat, Rizkia Ben Mana, Esther Bat Sultana. Amen. Alors, avant de commencer le shiur, je voudrais savoir si vous avez un petit peu vu les actualités cette semaine ou pas. C'est déprimant. En international. Il y a quelque chose de fantastique. Non, ce n'est pas déprimant, justement. Samedi soir, après Shabbat, après avoir fait l'Avdala, j'ai allumé mon téléphone. Et puis, j'ai regardé les informations pour un peu savoir ce qui se passait dans le monde. Et puis là, il y a une image qui m'a sauté au visage avec un titre exceptionnel. Et là, il y avait marqué « Rencontre historique entre le pape et l'ayatollah d'Irak ». Et là, j'étais subjugué. Il a été laissez-moi. Vous allez comprendre, c'est énorme ce qui se passe. Déjà, quand vous regardez la photo, c'est assez impressionnant. Le pape, il est tout de blanc vêtu, bien sûr. Et l'ayatollah, il est tout de noir vêtu. Et comment est-ce qu'il s'appelle ? Sastani. Ça fait un peu très satanique. Ouais, Sastani. D'accord, Sastani s'appelle. Maintenant, il faut savoir que... Alors, vous allez me dire, bon, d'accord, tu as vu le pape qui a eu Sastani, et alors, tu t'es excité pour ça ? Il faut comprendre qu'il y a marqué que c'est une visite historique. Le pape n'est jamais allé voir ce fameux ayatollah. Ayatollah, oui. Ça, et il faut savoir que ce n'est pas l'ayatollah qui s'est dépassé, mais c'est le pape. Pour parler de quoi ? Pour parler de paix. Et quel rapport avec nous ? Est-ce que ça nous concerne ? Par un cours de Torah, je vous parle de politique, de Sastani et du pape, on n'en a rien à faire dans l'absolu. Et il faut savoir que dans la Torah, il est écrit noir sur blanc, dans le Sefer Bereshit, là-bas, il y a marqué que Esav, il est parti épouser la fille de Ishmaël. Esav, c'est bien, il est parti épouser la fille de Ishmaël. Donc, il est parti chercher Ishmaël. Qui est-ce qui a été cherché ? C'est Esav. Oui. Donc, il faut comprendre quoi ? Que c'est le pape qui est parti voir Sastani. C'est le pape qui est allé en Irak. C'est le pape, donc le pape à Esav, qui est allé chercher Ishmaël. C'est le pape qui est allé chercher Ishmaël. Vous comprenez ? Et donc, pourquoi ça nous intéresse ? Parce qu'on te dit que lorsqu'à la fin des temps, écoutez bien, c'est énorme, lorsqu'à la fin des temps, le Esav ira faire la paix avec Ishmaël, ils se lèveront contre Israël. Ils feront la paix pour se lever contre Israël. Et ce sera le dévoilement messianique. Donc, en fait, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est là le dévoilement messianique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un état de fait où tout concorde au niveau, coïncide au dévoilement messianique. C'est-à-dire celui qui ne voit pas ça aujourd'hui, c'est où il a raté le train ou il ne veut, pas le voir. Parce que les événements font que... Regardez, depuis quelques années, on dit les Américains, c'est nos amis. Oui ou non ? Avec Trump, d'accord ? Baruch Hashem, il a fait des bonnes choses. On ne va pas polémiquer sur le personnage, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Biden, il a été... Ouais, on s'en fout comment il s'appelle. Il a été élu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout de suite, reprise des accords avec l'Iran. Tout de suite, il met de côté Israël. Tout de suite, une espèce d'embargo sur Israël. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas, dans les parachutes de Bereshit ? Yaakov Avinu, donc, qui s'appelle Israël. Yaakov Avinu, celui qui a donné naissance aux 12 tribus d'Israël, donc au peuple juif dans l'absolu. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem ? Sauve-moi de la main de mon frère, sauve-moi de la main de Esav. La Barachi nous dit que, pourquoi il a dit de son frère et d'Esav ? On sait très bien qu'il n'avait pas d'autres frères, Yaakov, il n'en avait qu'un. Et là, Rashi nous dit que « Sauve-moi de la main de mon frère quand il se comporte comme mon frère. » C'est-à-dire quand il fait des choses pour Israël, qui me donne de l'argent, qui me donne du pouvoir, qui me donne les choses que j'ai besoin. Et sauve-moi d'Esav, sauve-moi quand il est aussi la tête d'Esav. Et c'est exactement ce qui s'est passé. « Miyad achim, miyad Esav. » On voit qu'on a eu Trump, il a brossé dans le sens du poil. Et là, on ne brosse plus dans le sens du poil. Et c'est là le danger. Mais ça, c'est quoi ? C'est la Géoula. Donc, cette rencontre historique, oui, elle est historique, mais elle n'est pas que historique pour l'actualité. Elle est historique pour Am Israël. Parce qu'on est vraiment, clairement, dans le dévoilement messianique. À un niveau
qu'on ne peut même pas imaginer. Et au niveau donc, de tout ce qu'on vit aujourd'hui, comme je l'avais expliqué une fois, avant la dernière plaie donc, qui était la plaie de la libération, donc Makat Bechorot, il y a eu la plaie du Rocher. Et la plaie du Rocher, c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec le corona. Parce que mis à part les liens de vaccins, de maladies, etc., ça c'est une chose. Mais d'un autre côté, c'est que ni on peut se projeter, ni on sait ce qui va se passer demain, ni on sait de quoi sera fait le jour même. Du jour au lendemain, tu peux, tu es au travail tranquillement, tu rentres en bidoude. Tu as prévu des vacances, on t'annule tes vacances. Tu veux faire un césaire, tu dis cette année, super, ils ont tout ouvert, ça y est, le césaire, il est fini. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer pour Pessah. Ça se trouve, deux jours avant Pessah, ils vont nous couper l'herbe sous le pied, ils vont nous dire, ça y est, comme l'année dernière, c'est le Seger. C'est fort probable, puisque les élections seront passées. Donc, on voit très bien qu'on est dans le crochet complet. Celui qui dit aujourd'hui, dans un an, je vais faire, dans deux ans, je vais faire, c'est un menteur. Non, c'est un menteur. C'est un menteur. Même les prévisions des sociétés, pourtant, en général, les sociétés prévoient à long terme, aujourd'hui, elles ne peuvent plus. Combien de sociétés se sont cassées la figure, ont déposé le bilan, ont licencié? On ne peut pas savoir. Donc, c'est le Rocher. Et on sait très bien que Rocher, après Rocher, c'est Vayihor. Toujours comme ça. Toujours de l'obscurité va naître la lumière. Et la lumière finale, c'est la Géoula Shlema. Elle est palpable aujourd'hui. Tous les rabbanim sont d'accord. Quelle que soit la tendance des rabbanim, qu'ils soient Breslev, Chabad, Haredi, Massorti, tout le monde est sur le même pied. Tout le monde. Hein. Et au niveau du vaccin, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas le problème. C'est où on va. Là, sur ça, ils sont tous d'accord. Donc, Bezrat Hashem, que cette fameuse rencontre historique, elle nous permet de voir la Géoula Bezrat Hashem. Alors, on a lu la paracha de Kitissa. Et paracha Kitissa, donc le mot d'or, exceptionnel, cette paracha violente, aussi paracha de para, qui est, mamash, une paracha qui n'est pas simple, la paracha de para, de la para Adouma, un chok par excellence, la plus grande mitzvah qui est incompréhensible. Vous avez lu ce qu'il fallait faire dans la paradouma ou pas? Tu prends une vache rousse, d'accord? Je refais un petit topo. Tu prends une vache complètement rousse, d'accord? Il ne faut pas qu'elle ait travaillé. Il ne faut pas qu'elle ait deux poils blancs. Si tu lui as mis le joug, c'est fini, nana. Bref, après tu la prends. Elle ne t'a rien demandé, cette vache. Tu la brûles complètement. Une fois que tu l'as bien brûlée, tu prends toutes ses cendres. Tu la mélanges avec du bois. Tu la mélanges avec certaines choses. Tu la mets dans de la flotte. D'accord, tu t'es fait une sorte de mixture, on va dire une sauce ou un shampoing, d'accord. Et puis les gens qui ont été en contact avec des morts, tu leur balances ça dessus, ils vont faire tout un rituel de purification, et puis ils sont purs. Bon, comment? Et toi, tu es impur, et le mec qui l'a préparé, il est impur. C'est terrible. Donc, et nos sages nous disent, c'est quoi l'histoire? C'est un roc. Et même Shlomo Ameler, le plus sage de tous les hommes, d'accord, il a dit de la vache rousse, elle s'est tenue loin de moi. Ça veut dire qu'il a eu beau chercher, se creuser la tête, walou, il n'a pas compris la vache rousse. Le seul qui l'a comprise, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi il ne nous l'a pas expliqué? Parce que la première fois qu'il l'a comprise, c'est quand il a atteint le 50e degré de pureté, c'est-à-dire le jour où il a reçu les premières tables de la loi, dans la paracha de la semaine. Mais au moment où il allait pour redescendre, Dieu lui a dit quoi? Dépêche-toi, Moshe, descends, parce que ton peuple, il a fauté. Il ne lui a pas dit parce que le peuple a fauté, il lui a dit parce que ton peuple a fauté. Parce que c'était le Erev Rav qui avait fauté. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a cassé les tables de la loi. D'accord? Dieu lui a dit, bien, bravo pour ce que tu as fait. Excuse-moi, ton peuple, ça veut dire le Erev Rav? Ouais, Rachid. C'est Moshe qui a accepté. Et il lui dit là-bas, écoute, c'est exceptionnel. Dieu, il y a marqué que là-bas, tu regardes les Rachet et Bot, donc les lettres, ça fait Ishar Koar. Ça veut dire quoi? Heureusement que tu les as cassées. Parce que nos sages nous disent que les tables de la loi représentaient la Ketouba, du mariage entre Hachem et le Ham Israël. Et quand une femme, elle est prise en flagrant délit, bah, il vaut mieux que ce soit avant qu'elle ait reçu sa Ketouba, qu'après, on est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, en détruisant l'étape de la loi? Il a évité que le peuple d'Israël ait le statut de femme mariée, en fait. Et au moment où il a cassé, il est redescendu d'un niveau. Donc, il est redescendu au 49e degré, la vache rousse, il a savait plus ce que c'était, il a oublié. Quand est-ce qu'il a récupéré le 50e degré? Le jour de sa mort.
le jour même de sa mort. Quand il est monté, Dieu lui a dit, monte sur le Har Nevo. Nevo, c'est Nun, Bet, Aleph, c'est le Nun Ba. Le 50e, il vient. Alors, pourquoi il ne nous l'a pas dit? Parce que c'était le jour de sa mort. C'est au moment où il allait mourir qu'il a atteint le 50e niveau. Donc, entre guillemets, il a amené avec lui le secret de la vache rousse. OK? Même... Bon, c'est bon, ça. Hein? C'est bon, Nevo? C'est pas mal, hein? Bah ouais, parce que si vous venez que c'est lourd, ça sert à rien. J'en ai reçu un qui est très beau aussi. Ouais, dis-nous-le. Tu écris Yud. Avec le Yudi? Voilà. Le Yudi, ouais. Alors ça, c'est magnifique. Mais alors moi, j'ai une explication kabbalistique de ça. Et de notre ami Yaakov, d'Ashdod. Et en fait, ce qui est quoi? Il y a, on va la faire rapide. Tu l'as vu ou pas, Eliaou? Oui. C'est toi qui l'as envoyé? Ah, mais qui? Ah, bah, qu'est-ce qui se passe ce soir? T'es venu pour faire un poker? On continue. Il a eu sens. Dans cette vidéo, il y a marqué, donc il y a le nom, il y a marqué Yehudi. Yud, Yehudhe, Vav, Dalet et Yud. Et là-bas, tu as une main qui va prendre le Yud et qui va le poser en dessous à l'envers du Dalet. Et en fait, ça a marqué Yud et plus loin Vav et plus loin He, le nom de Dieu. Et en fait, dans la Kabbale, ils expliquent en fait que c'est le niveau qu'il faut qu'on atteigne pour arriver en fait à sublimer notre être. C'est-à-dire que le Yud, il représente, tu l'as entendu cette explication ou pas? Le Yud, il représente quoi? Il représente la Tipa. Le Yud, c'est la plus petite lettre. Le Yud, il va représenter la Tipa en fait, qui va, la Tipa, la goutte de semence du papa. Le Yud qui est en haut, en fait, c'est ce qui vient du haut vers le bas. Donc, ce qui va donner la... Ça va aller? D'accord? Voilà, c'est ça. Ce qui va donner, en fait, la tipa, ce qui va donner la goutte de semence pour avoir un enfant. Le He, c'est quoi? C'est un dalet. Dal, quand tu donnes le dalet, donc tu donnes, en fait, c'est quoi? Quand un dalet, c'est quoi? Un He, c'est quoi? C'est un dalet, comme ça, d'accord? Avec un pied au milieu. En fait, au moment où il donne la tipa, le Dalet, c'est la maman. Donc après, c'est des niveaux de Kabbalah, hein, d'accord? Je vous l'explique rapidement. Yaakov, il expliquait mieux. Quand tu rentres, donc, quand la maman, la semence, elle rentre en elle, elle devient enceinte. C'est le pied du Hé. D'accord? Après, quand on a l'enfant qui va naître, qu'est-ce qu'il va faire, l'enfant? Il va grandir. Coupez les micros, s'il vous plaît. Il va grandir, cet enfant. Donc, il va devenir un être. Que ce soit un homme ou une femme, il va devenir un être debout. Donc, c'est un vav. Le vav, il est gava, il est grand, il se tient debout. Et après, on revient dans le hé, dans la matrice. Donc, c'est la matrice originelle, en fait. Et si tu n'as pas réussi à rentrer dans la matrice originelle, donc avoir réussi à passer d'une goutte à une vie, et donc d'arriver à quoi? À ce pourquoi Dieu t'a mis sur terre, donc faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le hé, c'est quoi? C'est Hachem. Vous êtes d'accord ou pas? Dieu, il a mis son ré dans qui? Dans Abraham et dans Sarah. Et de là, il est né quoi? Le Ham Israël. Vous êtes d'accord ou pas jusque-là? Si tu n'as pas réussi, eh ben, tu recommences le cycle. C'est quoi? Ben, tu redeviens une tipa et tu recommences le cycle jusqu'à que tu arrives au quoi? Au niveau du ré. C'est pas beau comme explication? Les Chaim Yaakov. Je ne sais pas si tu nous vois, mais bon. Et donc, cette paracha, on a ce fameux Noir, ce fameux Moshe, être extraordinaire. Qui dit à Kadosh Baruch Hu, écoutez-moi, Dieu il dit à Moshe, écoute Moshe, laisse-moi tranquille, je vais détruire le peuple. Moshe lui dit, bon, tu me dis laisse-moi tranquille, c'est-à-dire que tu ne veux pas que je te laisse tranquille. Et Moshe, il lui dit quoi? Il lui dit, Mechenina Mesifrecha, il lui dit, efface-moi de ton livre. Pourquoi il ne lui a pas dit Timchakoti? Il ne lui a pas dit, efface-moi. Il a utilisé un langage particulier. Et nos sages nous disent que Mechenina, d'accord? Mais Khéni, c'est un seul mot. Na, c'est un autre mot. Na, vous savez, c'est toujours une conjonction de demande. Comme il a dit pour Myriam dans la paracha de Béalotra. El na refana la. Ok? Na, c'est s'il te plaît. De grâce. De grâce. On va là, on l'a fait en français. Mais c'est compliqué quand tu traduis. Tu sais bien, Eliaou. C'est pour ça qu'il est meilleur d'étudier en hébreu. Et on nous dit, pourquoi il a dit ça? Pourquoi il n'a pas dit un autre mot? Et en fait, notre Chachamim nous explique que Moshe Rabbeinu, c'est Noar. Noar et Moshe, c'est deux personnages qui sont
très proche, même dans l'histoire. On voit que il lui dit Mecheni. Mechenina, c'est Me Noah. Les eaux de Noah. Alors, quel rapport avec le veau d'or et les eaux de Noah? Et en fait, nos sages nous expliquent que Noah, quand Dieu lui a dit je vais détruire le monde, qu'est-ce qu'il a fait Noah? Bah, Noah, il a dit ok, bah, je vais faire une arche, je vais monter dans mon arche, je vais sauver ma pomme et mes gosses. Et le reste, on verra bien ce qui va se passer. D'accord? Quand il est sorti de l'arche, par contre, tout était dévasté. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh là là, pourquoi tu as fait ça? Dieu lui a dit, c'est maintenant que tu te réveilles. D'accord ou pas? Oui, mais il a fait des... Non, non, il n'a rien fait du tout, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, quelque part, il a loupé le coche ou pas, Noah? Oui ou non? Il a loupé le coche, donc il faut que ce soit réparé. Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, je vais détruire Israël. Moshe lui dit, non. Il lui dit, laisse-moi les détruire. Qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe? Il lui dit, par le srout d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu ne peux pas les détruire. Il lui dit, alors pourquoi il dit ça? Rashi nous dit là-bas, c'est exceptionnel, j'ai trouvé comme explication. Il lui dit, parce que tu ne peux pas les brûler, parce qu'Abraham, il s'est jeté dans la fournaise ardente. Donc, il est passé la mort de brûler. Il a dit, Yitzhak, si tu veux lui couper la tête, donc vous savez, les quatre morts du Beit Din, si tu veux les décapiter, tu ne peux pas. Yitzhak, il a donné son coup. Et si tu veux les envoyer en galoute, qui est aussi une punition, tu ne peux pas. Yaakov, il est sorti en galoute. Et si tu veux les détruire autrement, comme ça, il dit Rashi, il lui dit, Moshe Rabbeinu, comment est-ce que tu veux qu'une table qui avait trois pieds, elle était bancale? Comment est-ce que tu veux qu'une table avec un seul pied ne soit pas bancale? C'est voué à l'échec, ton histoire. Et pourquoi alors, Noah? On voit que Noah, quand Dieu lui a dit de se sauver, qu'est-ce qu'il a fait? Une teva qui était recouverte à l'intérieur et à l'extérieur de goudron. Quand la mère de Moshe Rabbeinu, elle a voulu sauver Moshe Rabbeinu, elle a fait une teva et elle l'a recouvert de goudron intérieur à l'extérieur, de goudron à l'extérieur et de chémar à l'intérieur. Du goudron, vous avez fait. Ok, hein? C'est une sorte de goudron. À base de pétrole? Non, je ne sais pas ce qu'il y avait exactement. On continue. Les endroits dans le désert, il y avait du... Donc, ils ont été tous les deux dans une teva. Cette teva, que ce soit pour Moshe ou pour Noah, elle a été où? Elle a été sur de l'eau. Sur de l'eau. Moshe, sa mère, l'a mis dans l'eau. Et Noah, Dieu a fait le déluge. OK? Ensuite, Noah, pendant 40 jours, la pluie, elle est tombée. Donc, il pouvait rester que dans la teva. Il ne pouvait même pas sortir à l'air libre pour voir s'il y avait quoi que ce soit ou pour prendre de l'air. Puisqu'on sait qu'il y avait une fenêtre dans la teva. Pendant 40 jours, il a plu continuellement. Donc, il a été fermé dans un endroit clos pendant 40 jours. Moshe Rabbeinu a été pendant 40 jours sur le mont Sinaï et il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il était qu'avec Akadosh Baruch Hu. Donc, on a les deux qui sont sur le 40. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, il dit dans la parasha noire, « Shichet est la terre s'est corrompue. Il va utiliser le mot de shichet. D'accord? Et pour le veau d'or, il va dire le peuple shichet. Le peuple, il s'est corrompu. On a exactement les mêmes choses. Et le seul homme qu'on va appeler dans la Torah, Ish, les deux seuls hommes, c'est Noach et Moshe. Noach, il est Ish tzadik et il devient Ish à Adama. Alors que Moshe, il est Ish Mitzri et il devient Ish à Elohim. C'est les seuls qu'on appelle Ish. Donc en fait, c'est quoi? Noah, en fait, lui, il est passé de Tzadik à Adama, donc c'est une descente. Alors que Moshe Rabbeinu, il est passé de Mitzri, donc entre guillemets un non-juif quelque part, à Ish à Elohim. Donc un niveau de prophétie complète. Donc c'est les deux différences. Et les deux, bien sûr, ils ont été punis à cause de l'eau, avec l'eau. Moshe, il ne va pas pouvoir rentrer en Israël à cause de l'histoire du rocher dans l'absolu, d'accord? Ça, c'est Kita Aleph, d'accord? Et Noah, en fait, il va être perdu par l'eau, puisque une fois que le déluge est passé, il va se saouler, etc. À cause de quoi il s'est saoulé? À cause de l'eau. C'est, on va rester sur le... Non, une fois que le déluge a eu lieu, ouais. Il est sorti, tout était dévasté par l'eau, donc il a été Rama, il s'est saoulé, ouais. D'accord? Alors, il aurait dû planter de... Alors, tout à cause de ça, il est pas la fête pour Purim, alors oui. Non, ben oui, justement, c'est interdit de se saouler, c'est interdit de se saouler à Purim, Patrick, on l'a déjà dit. Donc en fait, on voit que
Alors, d'accord, bon, Noach, il n'a pas sauvé le monde. Il n'y avait pas de juifs à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a sauvé le peuple juif ou il a sauvé le monde? Moshe Rabbeinu, il a sauvé le monde. Pourquoi il a sauvé le monde? Parce que dans la paracha de Bereshit, il y a marqué Bereshit bara Elohim. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois de ça, on avait fait un cours et on avait expliqué qu'il y avait 5 Réchit dans le monde. Que Réchit, ce n'était pas au commencement. Mais c'était les Réchit. Les Réchit, c'est les têtes. Et une des Réchit, c'est quoi? C'est Israël. Et en fait, quand Dieu il a donné la Torah, il a dit quoi? Il a levé la montagne, il l'a retournée, il l'a mis au-dessus d'Am Israël, il leur a dit, ou vous acceptez la Torah, ou le monde dit quoi? Il retourne autour de vous. Mince, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben d'accord, ils n'acceptent pas la Torah. Détruit le peuple, mais pas le monde. Non, parce que la condition sine qua non pour que le monde il existe, c'est que Am Israël il reçoive la Torah. Donc, la condition sine qua non pour que le monde continue à exister, c'est qu'Israël continue à exister. Donc, en fait, Moshe, en sauvant le Ham Israël, il sauve le monde. Donc, s'il sauve le monde, il fait le tikkun de Noach. Et là, il a réussi à réparer la faute de Noach. C'est pour ça qu'il lui dit Mechénina. C'est beau ou pas? Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Donc, on est dans quelque chose de très profond. C'est-à-dire que chaque année, quand on va lire les parachiotes qu'on va avancer dans les Sfarim, on ne peut pas la lire comme l'année dernière. On ne peut pas continuer avec les mêmes midrashim, les mêmes choses qu'on a vues l'année d'avant. Parce que la Torah, elle est profonde. Et vous savez très bien qu'il y a plusieurs niveaux dans la Torah. Il y a le pshat, le drash, le sod et le pardes. Quand on commence à étudier, à un moment donné, quand on commence à voir cette Torah, il faut avancer dans les explications. On n'a pas besoin d'être kabbaliste. On n'a pas besoin d'être en yeshiva pour goûter à ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose. Le Mashiach, il a dit, je l'avais déjà dit ça, mettez en silence si vous voulez plaît. Le Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov, il lui a dit que je viendrai quand mes sources... Pourquoi tu n'as pas de chef? Quand je crois que... Quand mes sources... Bon. Je viendrai quand tes sources... elles seront dévoilées. Les sources du Baal Shem Tov, c'est quoi? C'est la Chassidut. Et la Chassidut, c'est quoi? C'est d'arriver à rentrer dans la Pnimiut HaTorah. C'est quoi la Pnimiut HaTorah? C'est-à-dire la face cachée de la Torah, mais expliquée dans un langage Walt Disney, on va dire, entre guillemets. Vous comprenez? C'est-à-dire que... Hein, accessible à tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas au niveau du Zohar, de la Kabbalah, de la mystique. C'est-à-dire qu'on va utiliser la mystique juive, la Kabbalah, le Zohar, etc., on va la mettre dans un comment t'appelles ça, tu sais, un checker là. On va appuyer sur le bouton. Ce qui va sortir, c'est ce que le peuple il peut récupérer. Et pour faire venir le Mashiach, il y a besoin de ça. Il y a beaucoup de gens. Il y a besoin de ça. Il y a besoin de ça. Non, c'est pour ça quand t'es pas capable. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer qu'avec les parutions qu'il y a, tout le monde est capable d'étudier la Chassidut. Et je veux le redire encore une fois. On n'a pas besoin d'être Rabad pour étudier la Chassidut. On n'a pas besoin d'être Breslev pour étudier la Chassidut. On n'a pas besoin d'être Bourg pour étudier la Chassidut. On peut être Sépharad, continuer à faire les minagim de nos parents et continuer à mettre notre filine Sfaradim, manger de la Keila et de la Mlechia et étudier la Chassidut. Ce n'est pas incompatible. C'est pas parce que tu vas étudier la Chassidut que tu viens forcément Rabad. C'est pas parce que tu vas aller au Kever de Rabbi Nachman de Breslev que tu vas forcément devenir Breslev. C'est pas incompatible. Et malheureusement, aujourd'hui, on sectorise le Ham Israël. Lui, il est Breslev, lui, il est comme ça, lui, il est Chabad, lui, il est Litaï, lui, il est... Oh! Mais comment on va recevoir la Torah dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on va faire venir le Mashiach si on n'a pas de hardout entre nous? On a déjà assez d'ennemis. C'est nous-mêmes qui se... Tu acceptes? Non. Tu vas étudier. Tu vas étudier l'autre. Mais tu ne vas pas lui cracher dessus, c'est ça que je veux te dire. Et ce n'est pas forcément que tu vas devenir. Ce n'est pas un mec qui va étudier un peu de Chassidut Chabad, bah, il est Chabad. Le lendemain, il va aller chez Rabbi Nachman, il est pas Breslev. Le lendemain, il va étudier les halakhot de Rav Ovadia Yosef, il est Rav Ovadia Yosef. Le mec, il va finir schizophrène. Nahon, il faut remettre les choses à leur place. Tu peux étudier toutes les Torahs. Parce que justement, écoutez bien, et ça, c'est extraordinaire comme chidouche que j'ai écouté cette semaine. Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a? Un truc que je n'ai jamais compris, pourquoi en fait il y a trop de chassidouya en fait. Parce qu'il y a 70. On va en parler tout à l'heure dans le à la fin du cours, tu vas comprendre. Écoutez bien, Moshe Rabbeinu, vous connaissez tous le passouk Moshe Kibel Torah. Moshe, hein?
J'ai pas entendu. Oh, mais c'est là. Non, qu'est-ce qu'il y a marqué Moshe Kibel? Torah. Et quand on monte à la Torah, qu'est-ce qu'on dit? Noten ha Torah. Ouais, Moshe, il a reçu une Torah. Et nous, on dit la Torah. On a reçu la Torah. Donc, c'est qu'une façon de comprendre qu'il a reçu Moshe Rabbeinu. Et vous allez comprendre après, quand on va venir après au Moussar, vous allez voir, c'est exceptionnel. Donc, on a plusieurs notions, on a plusieurs interprétations de la Torah. Mais tant qu'elle est émette, il faut y aller. Donc, on peut prendre deux chez chacun aujourd'hui. Que ce soit une chassidoute comme ci, comme ça, une halakha par-ci, par-là. Non, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut aussi respecter, et ça, c'est très important, c'est respecter la Torah de ses parents. On ne parle pas d'un mec, son père est païen, c'est David Guetta, on ne parle pas de ça, hein, je veux dire, sa Torah, c'est Ibiza, on n'est pas là du tout, hein, d'accord. Et le mec, il est sfarad, et puis du jour au lendemain, il pète les plombs, il jette tout. Son père, il lui avait appris à mettre les dents, tes tefilines ne sont pas cachées. Il y en a comme ça, malheureusement. Il y en a. Les mecs, ils passent dans une chassidoute, du jour au lendemain, ils ont été sfarad, du jour au lendemain, ils vont dire à leur père, tes tefilines ne sont pas cachées. Ah, je mange plus chez toi. Ah, tu ne seras pas le syndac de mon fils. Mais crève. C'est n'importe quoi. Tu comprends? Il faut comprendre ça aussi. C'est très important. Malheureusement, beaucoup de gens, quand il faut, tu vois, ils perdent ça. Et moi, j'avais entendu, c'était un raf, je ne sais plus quel raf qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, quand tu fais, tu vois, ce qui est très important, c'est de garder l'héritage de tes pères. L'héritage de tes pères, pourquoi? Parce que tu es une chaîne et qu'il les fait vivre. Si toi, tu casses l'héritage, où tu vas? On ne parle pas d'un Tinoch et Nishba. On ne parle pas de quelqu'un que ses parents n'étaient pas religieux et qu'il a trouvé certaines chassidoutes ou certains mouvements et qu'il lui ont fait tu vois. Non, bah non, le mec, son père, il mange à l'ouf et il fait un bain. Et il n'a jamais mis les tefilines, le type. Il va rencontrer, il est sfarad, d'accord? Maintenant, il va rencontrer des gens qui sont ashkenaz et il faut faire tu vois. Bah, on crachem. Bien sûr qu'il va mettre les tefilines quand il est ashkenaz. Mais il faut bien comprendre. Et on ne parle même pas d'alachot. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas qu'il y a des halakhot. Les sfaradim, c'est moutard, et pour les ashkenazim, c'est interdit. Et vice versa. Donc le type, il va apprendre les ashkenazim, mais pour lui, c'est complètement interdit. Ou le type, il va apprendre les sfaradim, c'est complètement interdit. C'est très grave. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut un rav. Allez, on va avancer notre midrash ce soir. On est presque fini. Allez. La guerre, on avait vu la semaine dernière, il y a deux semaines, je ne sais plus quand, la guerre entre les enfants de Esav et les enfants de Yaakov, il leur avait mis une belle tannée, vous vous rappelez ou pas? Et ils avaient fait des prisonniers. Yosef, ce soir, il va détendre ses frères. Après les 7 jours de deuil de la mort de leur père, les enfants de Yaakov, ils sont rentrés en Égypte. Donc après 7 jours, ils ont pris le deuil donc, en Israël, ils sont revenus en Égypte. Ils étaient obligés. Donc ça, c'est Brit Beda Betarim, d'une part. Et pourquoi ils ne sont pas rentrés? Ils ne sont pas restés là-bas. On aurait pu dire pourquoi ils ne sont pas restés là-bas. Parce qu'il y avait Brit Beda Betarim d'un côté. Et d'un autre côté, Yosef, il était vice-roi. Il peut pas se casser, Yosef. Et puis, à partir du moment où Yaakov, il est décédé, d'accord, la famine, elle est revenue. La fin de la famine, elle est revenue. Il y a encore 5 ans de famine. Vous savez ça ou pas? Vous saviez ça ou pas? Quand Yaakov, il est arrivé en Égypte, la famine s'est arrêtée. Quand Yaakov est décédé, la famine a recommencé. Saviez ou pas ça? Puisque à la fin de la paracha, après de Vayechi, là-bas, Yosef, il dit, vendez-moi votre terre. Après, il leur dit, vendez-moi vos corps et vous deviendrez des esclaves. Et 1/5 de toutes les terres, vous les donnerez à Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus à bouffer. Comment ça fait qu'il n'y a plus à bouffer? Si quand Yaakov il est arrivé, il n'y a plus la famine. Parce que quand il est mort, il y a la famine qui est revenue. Saviez ça ou pas? Allons, continue. Sur le chemin, ils sont passés par Dothan. Dothan, vous écoutez ou pas? Dothan, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, écoutez bien, Yosef, il est allé près du puits où il avait été jeté par ses frères 20 ans auparavant. Vous vous rappelez l'histoire? Il a levé ses yeux au ciel et il a dit, « Toi, mon Dieu, qui m'a monté de ce trou-là et qui m'a fait vivre, qui a fait de moi un ministre important, aux yeux de tous. Merci à toi, ô Akadosh Baruch Hu, pour ce grand miracle que tu as fait pour moi dans cet endroit-là. » Vous savez qu'il y a une mitzvah de remercier Akadosh Baruch Hu quand on passe dans un endroit où l'oralino, on avait un accident très grave. On ne parle pas, le mec, il a glissé, il s'est fait un bobo. Hein. On parle, Chas v'Shalom, si par exemple, quelqu'un, il a un accident de voiture grave, d'accord, et qu'il a frôlé la mort. Quand, par exemple, il va repasser sur cet endroit en voiture, il fera une bracha ou un fleuve, des choses comme ça, c'est très important. D'accord? Quelqu'un qui a failli se noyer,
parle pas, il est au bord et là, on est vraiment, il a failli se noyer. Quand il va à la mer, il devra faire ça. Non, non, c'est une halakha. De remercier Hachem de l'avoir sauvé de la mort. À chaque fois. À chaque fois. Il s'est endormi en voiture sur le bout et il a eu un bateau. Non, ça, ça s'appelle Asgacha Pratit. Ça s'appelle Asgacha Pratit. Ça s'appelle qu'au moment où tu t'es endormi, c'est le malheur qui conduisait. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Ouais, ça m'est déjà arrivé, je sais. Voilà. Moi, ça m'arrive souvent quand je vais à l'équipe le matin. Non, mais pas souvent. C'est Rav Israël qui conduit, ça va. Je connais le mec devant moi. Ça m'a réveillé. Et le mec, il m'a pris pour un taré, quoi. Et moi, bon, forcément, je n'ai pas envie. Bah ouais, c'est normal. Non, non, pas ça. Après qu'il ait remercié à Kadosh Baruch Hu, Yosef, il est revenu avec ses frères. Et ils sont repartis en Eretz Mitzrayim. À partir du moment, messieurs, on n'entend rien. À partir du moment où il est mort, leur père, Yosef, il a arrêté de manger avec eux. Il ne voulait pas, pourquoi ? Il ne voulait pas s'asseoir à la tête de la table comme il s'asseyait au moment où son père, il était en vie. Vous avez compris ou pas ? On l'avait déjà dit ça. Dans ces jours-là, quand il mangeait avec ses frères, Yaakov, il lui avait demandé qu'il s'assoie à la tête de la table. Et qu'il ne s'assoit pas autre part, parce qu'il voulait qu'il soit à côté de son père, et étant donné qu'il était roi, son père voulait lui donner du kavod. Et là, Yosef, il s'est senti mal, il a dit, attends, Réhouven, c'est le Bechor, donc l'aîné. Yehuda, c'est de lui qu'ils vont sortir les rois, d'accord ? C'est eux qui sont le mieux placés pour siéger à la tête de la table. Donc, il voulait plus être à la tête, il a arrêté de manger avec eux. Il ne savait pas ça, ses frères. Lui, il l'a fait pour une bonne kavana. Il ne voulait pas se mettre au-dessus de ses frères. Et il ne donc, savait pas qu'est-ce que pensait Yosef. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont cru, en fait, que Yosef, il était en colère contre eux. Il était en colère parce qu'il ne les invitait plus. Il était dans sa maison, il ne mangeait plus avec eux. Quand leur père, il était vivant, il leur donnait du kavod, il avait de l'intérêt pour eux. Et là, rien du tout. Alors, maintenant que leur père il était mort, ils ont eu peur que la colère de Yosef éclate contre eux. Et en fait, qu'ils subissent en fait les affres de ce qu'ils avaient fait avant. Tout simplement, il va nous faire payer pour ce qu'on lui a fait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pour pas que Yosef se mette en colère contre eux et qu'il soit puni, ils sont allés les voir, ils sont allés voir Yosef et ils sont allés voir qui ? Ils sont allés voir Bilha. Bilha, c'était qui ? Bilha, c'était la mère adoptive de Yosef, qui l'avait éduqué à partir de la mort de Rachel. Et ils lui ont demandé, Bilha, s'il te plaît, va s'il te plaît voir Yosef et demande-lui de nous pardonner. Et on est prêt à être ses serviteurs jusqu'à la fin de notre vie, la seule chose qu'on demande, c'est qu'il nous pardonne. Bilha, elle est partie voir Yosef et elle lui a donné le message de ses frères. Yosef, quand il a entendu ça, il était désolé, vraiment désolé d'entendre ce qu'ils pensaient ses frères par rapport à ça, à la situation. Lui, il l'a fait pour une bonne chose et ses frères, ils ont pensé qu'il criait contre lui, qu'il était énervé. Il les a appelés, il leur a dit, « Je vous en prie, mes frères, n'ayez pas de mauvaises pensées sur moi. N'ayez pas de suspicion que je vous veux du mal, je vous veux que du bien. Je ne veux absolument pas que vous ayez de souffrance à cause de moi. Au contraire, je veux, c'est grâce à vous. » Écoutez bien ce qu'il leur dit Yosef, c'est quand même énorme. Ils l'ont vendu comme un esclave. Le type, il a été vendu comme un esclave, quoi. Je veux dire, il avait 17 ans, il était au top chez son père. Ses frères, ils l'ont pris, ils l'ont jeté avec les Mishmaelim. Il a été vendu 3 fois, Yosef, vous saviez ça ou pas ? 3 fois, il a été vendu. Pas une seule fois. Et attends, c'est pas que ça. C'est que non seulement il est vendu à Potiphar, qui est homosexuel, qui l'achète pour ses besoins primaires. D'accord ? Il n'a pas réussi grâce à Dieu. Et la femme de Potiphar, qui était une roula, voilà, une bombe, elle l'a chauffé, elle l'a chauffé pendant 1 an. Mais attends, si, non. Écoute bien, ah Patrick, je vais te répéter. Alors, je vais t'expliquer, Patrick. Potiphar était homosexuel. Non, non, oui, bi. Écoute bien, écoute bien.
Mais écoute-moi, au moment où Yosef, on l'appelle Potiphar, au moment où Yosef il rentre en prison, après l'histoire de la femme de Potiphar qu'elle a accusée de viol, comment il s'appelle? Il s'appelle Potiphéra. Potiphéra. Potiphéra, c'est un nom de femme. Le Midrash nous dit qu'à partir du moment où Yosef a été, écoute bien, mis en prison, Potiphar s'est castré. Tu as compris la différence? Non. Donc, à la base, ah, si, je l'ai lu. Tous les gens qui travaillent dans le palais, il fallait qu'ils soient. Non, il était ministre, Potiphar. Il n'était pas, eunuque du roi, il était ministre. Ministre des cuisines. Ministre. Les eunuques, ils étaient castrés, pas les ministres. J'ai entendu, j'ai entendu une belle histoire. J'ai entendu que, vous savez, on a toujours dit que Pharaon, il mesurait 50 cm, on va dire à peu près. Non, en fait, 50 cm, ce n'était pas Pharaon, c'était Nebuchadnezzar. Aujourd'hui, j'ai entendu un petit cours du Rapitou, et là-bas, il dit qu'en fait, il faisait un tefar Pharaon, c'est-à-dire 8 cm. Non. C'était un lilliputien. Écoutez. Je vous invite à venir à aller écouter. C'est pas de moi. Et il dit que c'est marqué dans la Gemara. Écoute-le. Voilà. Je vous montre le lien. Je vous le ferai écouter après le cours. Bah écoute, il pourrait. Allô. J'en sais rien. Daniel, tu sais pas. Mais en tout cas, voilà comme ça, il a dit tout à l'heure. Moi aussi, j'étais étonné. Mais c'est pas de moi. C'est pas de moi, encore une fois. Comment c'est que Potiphar, il était homosexuel? Il s'est marqué. C'est marqué aussi. C'est marqué aussi. D'accord? D'accord? Bref. Je peux prendre un apéros, ma chère. Si tu veux. On continue? Non, mais il n'y a pas de problème. Alors, on continue. Alors, il leur dit quoi? Il leur dit, c'est grâce à vous que je suis devenu important aux yeux de Pharaon et de ses serviteurs. D'accord? Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui, il leur dit. C'est pas énorme quand même. Il leur dit, alors, je vous en prie, mes précieux frères, n'ayez pas peur, ne soyez pas apeurés par ce qui va se passer aujourd'hui. Je pense que du bien sur vous. Repartez sur la terre de Goshen. Allez vous installer dans l'opulence. Occupez-vous de ce que a demandé votre père, de respecter les dernières paroles de votre père pour que Hachem soit toujours avec vous. Et si Dieu il est avec vous, qu'est-ce que peut vous faire un homme? Vous imaginez ce qu'il leur dit Yosef? Il leur dit, si vous faites la volonté d'Akadosh Baruch Hu, aucun homme ne pourra vous faire du mal. C'est un grand moussa l'esquel, ça. C'est magnifique. Ils ont été apaisés par les paroles de notre ami Yosef. Et ils sont allés s'installer à Goshen. Ils étaient plus désolés. Et là-bas, ils ont vécu en paix et dans l'opulence. Jusqu'à, bien sûr, arriver au moment où ils vont sortir de Goshen, et à partir du moment où ils vont sortir de Goshen, ils vont prendre une tannée. Ils vont devenir esclaves. L'esclavage d'Égypte, donc c'est, nos sages nous disent, c'est qu'entre il y a plusieurs indices, c'est entre 80 ans et 90 ans, l'esclavage pur. Qu'est-ce qui s'est passé à Joseph? Après, il est mort. Joseph. Ouais, à 110 ans, il est mort. D'accord. À 110 ans, il est mort. Il a rendu la masse. Avant l'esclavage. Oui, avant l'esclavage. Oui. Alors, il pose une bonne question. Écoutez-moi. Yossi pose une bonne question. Il dit, déjà, à l'époque, la rancune existait. Je vais aller encore plus loin que toi. D'accord. Déjà, à l'époque de la création du monde, la rancune, elle existe. Caïn, il tue son frère par rancune parce qu'il lui a accepté son sacrifice, c'est pas le sien. Donc, depuis la nuit des temps, le mal, il existe. La débauche, elle existe. La rancœur, elle existe. La jalousie, elle existe. Mais c'est normal. C'est à partir du moment où le Et Hadaat Tov V'Ra, il a été consommé. Oui, mais pourtant, quand ils se sont retrouvés, les frères avec Yosef se sont embrassés, donc l'amour était revenu. Or, c'était pas n'importe qui. T'as entendu ce que j'ai dit juste avant? Tu vois, 17 ans, il a vécu en Égypte, Yaakov, d'accord? Pendant 17 ans, Yosef, il mange avec ses frères, il leur fait un kiff, il est bien, il leur donne, d'accord? Le père, il meurt, et du jour au lendemain, il ne mange plus avec eux, il les invite plus chez lui. T'imagines, toi? Et moi, ils prennent peur. T'imagines, il y a un type,
il est bien avec ses frères, il tape le carton, il rigole, ils invitent à manger, ils font mes cheveux ensemble. Le papa, il décède, il coupe les ponts. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'on lui a fait de mal? On t'a fait quelque chose de mal? On t'a ah, tu te rappelles, c'est parce qu'on sort le vieux dossier d'il y a 20 ans, on t'a fait un truc comme ça, alors t'es pas content. Non. Imagine, il ne mange plus du tout avec eux alors qu'il avait l'habitude de prendre leur repas avec eux. Et même s'il avait responsabilité, il ne mange pas Youssef. Ce n'est pas un ange, c'est un homme. Un homme, il mange. Hein. Qu'il s'appelle Youssef ou pas. Bon, il ne mange pas beaucoup les grands sadikim en général. Hein. Comme on dit, je ne me souviens plus de quel raf, qui mangeait un bout de caroube d'un vendredi à un vendredi. D'accord, je ne sais plus c'était quel rabbi. Rab qui faisait ça. Baba Salé, proche de nous, il jeûnait régulièrement. Pourquoi ? Pour se nettoyer de l'influence de ce olam, de la matérialité. C'est un autre niveau, bien sûr. Nous, déjà, au bout d'un jeûne, on a envie de mourir. Donc, Rabbi Nachman, oui, ouais, bien sûr, Rabbi Nachman, Kadouri, tous les grands, en fait, ils font des jeûnes. Il y a beaucoup de rabbanim qui font aussi des jeûnes le lundi et le jeudi. D'accord ? Et bien sûr, ils ne font pas de jeûne de Shabbat, parce que Shabbat, c'est mitzvah oneg Shabbat. Parce qu'ils n'avaient pas de Kayla, c'est pour ça. Ça doit être ça. Non, il y avait des grands rabbinim tunisiens. Rabbi Chaye, Tayeb. C'est pas n'importe qui, le Rav Mazouz, il est tunisien. Apparemment, le Rav Mazouz, il est trempé dans la Kayla, le Rav Mazouz aussi. D'accord. Il est djerbien en plus. Voilà. C'est un cheveu. Un peu, ouais. Un peu, ouais. Non, pas du tout. Ma mère est tunisienne. Oui. Est-ce que là, on voit qu'il y a quand même. Quoi? Donnez-lui à boire, il se détache là-bas. Attendez, excusez-moi, je ne l'entends pas. Là, on voit quand même qu'il y a quand même complètement une annulation de la part de Youssef, en tous les cas, ouais. De la faute de ses frères. Ouais. Est-ce que cette annulation, elle n'efface pas le mythe à cette petite date que Hachette ? Non, parce que c'est marqué dans la Torah. Dans la Torah, c'est écrit noir sur blanc. Celui qui vend son frère juif comme esclave, il sera mis à mort. Donc, ils l'ont fait. C'est obligé de faire le tikkun. Si tu veux, la Torah, tu ne peux pas la remettre en cause. Si tu veux, elle est écrite et elle est inaliénable, la Torah. Tu ne peux pas un jour dire, ce passage, il ne me convient pas, je vais l'effacer. D'accord ? C'est pour ça, par exemple, dans les lois de Sofrout, qu'on dit qu'un mamzer, même si c'est un Talmid Chacham, il ne peut pas devenir sofer. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué dans la Torah que lo yavo mamzer le kaal Hashem. Comment est-ce que tu veux qu'un type, d'accord, écrive ça de lui-même ? Ça veut dire quoi ? Le bâtard ne fera jamais partie du Ham Israël. C'est pas le problème, Patrick. Je suis pas en train de rentrer dans une polémique. C'est marqué dans la Torah noir sur blanc. Donc comment tu veux qu'il écrive ça, le type ? Ben, c'est le mamzer. Il se marie avec une mamzera. Conséquence de sa mère, c'est lui qui gagne. Mais c'est pas notre faute. C'est pas ma faute, c'est la Torah. J'ai pas donné le journal. Je sais très bien, mais déjà qu'il a cette problématique, il rajoute ça. C'est un petit coup. Encore une fois, non, pourquoi il se soucie ? Il peut se marier, avec une servante. Avec une mamzera. Et alors ? Celui qui est né avec un moum, il a pas des problèmes. Bah oui, celui qui a un moum. Et le halal, le fils du Kohen, d'accord, qui le Kohen qui a été avec une femme qui lui est interdite, c'est un halal, il est halal à vie. Ah bon ? Mais oui, il ne redevient pas Cohen, qu'est-ce que tu crois ? Il ne sera jamais Cohen, même s'il s'appelle Cohen. Pendant que Johnny, il a fait l'histoire, et c'est cuit. C'est cuit. Quoi ? Il n'a pas le droit d'aller avec une femme, le Cohen. Si le Cohen, il va avec une femme, d'accord, qui n'est pas la sienne, et qui est une femme et qu'elle tombe enceinte, l'enfant, écoute bien, c'est un halal. Mais si elle n'est pas enceinte ? Même une divorcée, lui, est interdite. Mais si elle n'est pas enceinte. Pourquoi si elle n'est pas enceinte? Je ne sais pas. Faut voir avec le arabe. Je ne sais pas. J'ai compris ce que tu veux dire. Qu'il a eu des rapports avec la fille. Je ne sais pas. Appelle arabe. Je ne sais pas. Ils peuvent le manger. Les arabes, ils peuvent le manger le halal. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Vous lui avez donné à boire parce qu'il est en train de s'assécher là-bas. Et Yo, tu ne bois rien. Il a monté là-bas. Ok. On continue ou pas ? Oui, Daniel, alors. C'est bon, j'ai répondu à ta question ? Alors, on continue. Vous savez, donc, dans la paracha, on a vu la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, ce n'est pas une faute anodine, ce n'est pas une faute toute simple, ce n'est pas
ils ont fait un veau, ils ont dansé, ils ont fait des corbanotes, et puis voilà. Et puis après, on va payer pendant jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il faut savoir que nos sages nous disent, écoutez bien, que dans chaque souffrance vécue par le peuple d'Israël, aussi bien à titre individuel que collectif, de toutes les époques, il y a dans la souffrance une part de du veau d'or. Ça veut dire que quoi ? Quand Dieu il a dit, je vais décimer le peuple entier, d'accord ? Étant donné qu'il n'a pas décimé le peuple, Dieu ne dit pas des paroles en l'air, jamais. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il a dilué ce qu'il a dit dans toutes les générations et dans toutes les souffrances. Donc, nos sages nous disent, dans chaque souffrance que vit le peuple d'Israël, que ce soit au titre individuel ou collectif, il y a une partie du veau d'or là-dedans. Alors, pourquoi justement, c'est même le thème, pourquoi on doit payer nous aujourd'hui les fautes de nos ancêtres ? Qui te dit que c'est tes ancêtres ? C'est nous. C'est qui te dit que c'est pas toi ? Qui t'a dit que c'est pas toi, Benjamin ? Hein ? Qui t'a dit que c'est pas toi ? T'as jamais eu ce sentiment d'arriver à un endroit et dire « Je suis déjà passé là. » C'est là que j'ai déjà vu. J'ai déjà eu cette discussion. On n'est pas très neuf, quoi. Je vous le dis, on n'est pas des Neshamot neuf. Quoi qu'il arrive, c'est clair. Bon, allez, on continue. Écoutez bien. Et tout le Inyan, en fait, du veau d'or, il tient sur une seule phrase. Écoutez bien, c'est un chidouche extraordinaire que j'ai entendu de la bouche du Rav Benarouche. Vous savez, moi, quand je partage avec vous ce cours, je ne suis pas un Talmid Chacham, mes sources, elles viennent de l'extérieur, ou d'un livre, ou d'un cours que j'ai entendu. Et quand ça me touche, je le partage avec vous. Et là, ça m'a vraiment fait kiffer. Et il nous dit là-bas quelque chose d'exceptionnel. Il nous dit en fait que la faute du veau d'or, écoutez bien, c'est la faute originelle. Ça s'est passé à 2000 ans d'écart, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ? D'accord, c'est pas bizarre quand même. Et en fait, il faut comprendre que David Ameler, il nous dit, attendez, j'ai pas fini, j'arrive, laissez-moi le temps de digérer 2 minutes. David Ameler, il nous dit dans le Tehilim, Hachem Omer, Hachem Omer Echad, Vani Shomea Shtaim. Vous êtes avec moi ou pas ? Vous êtes avec moi ? Je la traduis pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Dieu, il va dire une chose et moi, je vais comprendre deux choses. Et c'est là la problématique du veau d'or. Vous êtes avec moi ? On y va. Les Bnei Israël sont dans le désert. Ils ont reçu la Torah. Ils ont reçu la révélation. Ils n'ont pas reçu la Torah. Comprenez bien. Ils n'ont pas reçu la Torah. Ils ont reçu la révélation. Ils n'ont rien reçu, puisque les tables, elles sont encore dans le ciel. Moshe, ça fait 40 ans, 40 jours qu'il est là-haut. Donc, ils ont reçu quelque chose de concret ? Non, ils ont juste entendu les kolotes. Ils ont juste entendu... Non, c'est Khalavi, ça. C'est Khalavi. Ils ont juste entendu quoi ? Akadosh Baruch Hu qui va dire les aseret adiberot. Ils vont juste entendre donc les 10 commandements d'un coup. Écoutez bien ce que nous disent nos sages. Dieu a dit les 10 commandements d'un coup en même temps. C'est inaudible à l'oreille humaine, on est bien d'accord. Et ensuite, il a réitéré chaque commandement puisque Dieu, il est capable de le faire. On est d'accord. Et après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réitéré chaque commandement. Premier commandement qu'il a dit, « Anochi Hashem Elokecha », tout le monde est mort. Il a envoyé les anges, ils leur ont mis l'eau de la résurrection des morts, et ils sont revenus. Deuxième commandement, ils sont morts. Et là, ils ont dit à Moshe, stop, ça suffit. Il n'y a jamais 203, on n'a pas envie de crever une troisième fois. Vas-y, dis-nous la suite. Ça fait mal. Bah oui, dis-nous la suite. Et c'est Moshe Rabbeinu qui a donné les 8 autres commandements. C'est Moshe Rabbeinu qui les a donnés. Il s'en manque 3 fois. Deux fois. Oui, la troisième, ils ont dit, on ne veut pas mourir. Alors écoutez bien, parce qu'ils n'ont pas supporté, parce que vous savez pourquoi ils sont morts ? J'avais entendu cette explication il y a quelques années. Transformateur. Exactement. Oh. Parce que c'est Dieu qui parle. Et c'est Dieu qui parle. Et donc quand ils traversent leur chair, qui est donc un morceau de viande humain, ils n'ont pas la capacité de recevoir quoi ? Le divin, l'éternel. C'est-à-dire le limité, le end-soft, celui qui n'a pas de limite. Dans l'illimité. Ils ne sont pas capables, ils explosent. Ah, mais Moshe aussi. Imagine, tiens, comme on l'a dit, la truc, d'accord ? Tu vas prendre une lampe, d'accord ? Et tu,
tu vas la brancher directement sur l'accumulateur de la centrale nucléaire. Qu'est-ce qui va se passer? Et toi avec? C'est pareil. Et ben voilà, ils sont morts. Comment quoi? Pas Moshé, c'est pas ça Moshé, le problème. Moshé, si, c'est un être humain. Oui, c'est un être humain, mais c'est un transformateur. Non, c'est pas. Moshé, c'est un transformateur. Moshé, il est capable de transformer l'énergie divine en énergie humaine. C'est ça la force de Moshé Rabbeinu. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre, c'est énorme. Et si on disait que Moshé, en fait, c'est un ange? Non. 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 Parce que là, si tu dis que Moshé, c'est un ange, tu remets en question toute la Torah. C'était un malade. Et là, non. Si tu dis que c'est un malard, comment il meurt? Si tu dis que c'est un malard, comment il meurt? Il y a marqué paracha devarim, dernière paracha, vezata beracha, donc c'est faire devarim, paracha vezata beracha. Un homme ne peut pas rester 40 jours sans boire et sans manger. Patrick, alors dans ces cas-là, pourquoi il y a marqué? Et là, il est mort, mon serviteur Moshé. D'accord? Écris-le en noir. Dans la préparation, il était malade. Non. Il n'était pas malade, il était Isha Elohim. Différent. Il se nourrissait de son côté spirituel. C'est ça la différence. Il a réussi, c'est parce que Moshé Rabbeinu, il a réussi à sublimer. En fait, tu sais, c'est quoi le Nian? C'est que Moshé Rabbeinu, non, et c'est ça le Nian. C'est que, pourquoi on faute? Vous allez comprendre. Et ça, c'est aussi l'histoire du veau d'or. Parce que le corps, il est plus fort que la Neshama. Mais Moshé Rabbeinu, qui avait hissé son corps au niveau de sa Neshama, il ne faute plus. Donc, il n'a plus besoin de se nourrir. Tu as compris ou pas? Il est au-dessus de ça. Il est nourri. Non, il n'y a pas. Patrick, il est en face d'Akadosh Bokhu. Panim, El Panim. D'accord, me dis pas, c'est pas vrai, c'est marqué dans la Torah. Panim, El Panim. Donc, il a vu Akadosh Bokhu en face. Donc, qui c'est qui le nourrit? Attendez, qui c'est qui le nourrit? Qui c'est qui nourrit l'homme? Qui c'est qui nourrit l'homme? Pourquoi? Dis-moi, attends. Patrick, je vais aller dans ton sens, d'accord? Dis-moi, t'as déjà vu de la bouffe qui tombe du ciel, toi? 40 ans, les mecs, ils ont bouffé de la bouffe qui tombe du ciel. Ce qu'ils voulaient, hein. De la manne. 40 ans. 40 ans, c'est de la bouffe qu'on voit même pas, d'accord? Et alors, c'est le peuple entier, donc des millions de personnes qui ont mangé pas pendant 40 jours, pendant 40 ans, une bouffe. Pendant 40 ans, ils n'ont pas été aux toilettes. Et là, tu l'imagines, toi? Ils n'ont pas été aux toilettes. Il y a marqué là-bas. Ils n'ont pas changé d'habit non plus. Ils n'ont pas changé d'habit pendant 40 ans. Tu l'imagines, toi, ça? T'imagines un Shabbat, tu n'as pas été aux toilettes après? Non, mais franchement, excusez-moi, hein, Mérila, avec tout le respect que je vous dois, tu meurs. Et eux, pendant 40 ans. Donc, et ils n'ont pas le niveau de Moshé Rabbeinu, Patrick. Donc, lui, il n'est pas capable. Il descend du Mont Sinaï, il a des cornes de lumière sur la tête. Il est obligé de casser son visage. Un voile. Parce qu'il était tellement lumineux qu'ils n'arrivaient pas à regarder. Il levait le voile, puis quand il discutait avec Akadosh Baruch Hu, on ne parle pas d'un mec normal. On ne parle pas d'un petit rabbin de quartier. On ne parle pas. Si. Sa mère, elle s'appelle, écoute bien, Nathan, sa mère, elle s'appelle Yochebed. Son père, il s'appelle Amram. Et il est né, Bago, par les mêmes voies que tout le monde. D'accord? Sa mère, elle a accouché. Comment? Non, on parle pas d'Adam, on parle pas de ça. Non, mais moi je me faisais référence à l'autre, celui qui est sur la croix, d'accord? Celui qu'on a dit que sa mère. L'acrobate. L'acrobate, elle était le fils du dieu, là. Non, il te dit. Même, d'ailleurs, les filles de Lot, elles ont validé qu'elles étaient tombées enceintes de leur père, justement, c'est une explication dans le Midrash, pour pas qu'on en vienne à dire que la femme peut tomber enceinte du divin. C'est impossible, ça. Ça n'existe pas. Je t'expliquerai après. Pour avoir un bébé, il faut un homme et une femme. Voilà, tout simplement. Ouais, voilà. L'immaculée conception, ça n'existe pas chez nous. C'est élémentaire, voilà. Ok, ça n'existe pas. D'accord. La meuf, elle ne peut pas tomber enceinte du Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit chez nous. D'accord. On continue. On a l'esprit ça. Exactement. Moshé Rabbeinu, il a 6 heures de retard. Le RF Rav, ton peuple, il s'est corrompu. Le RF Rav, qui est-ce qui a accepté de le prendre? C'est Moshé Rabbeinu. Dieu lui dit, j'en veux pas, moi. Vous savez qu'il y avait deux fois plus de RF Rav que de Bnei Israël. Imaginez la populace, quoi. Donc, ouais. Le ramassis des Égyptiens qui sont venus avec eux. D'accord, il y avait des Égyptiens, il y avait un paquet de pas de Juifs. Il a 6 heures de retard. 6 heures de retard. Pourquoi il a 6 heures de retard? Le sage nous dit, c'est pour voir s'ils sont capables d'attendre 6 heures pour faire la réparation de la faute originelle. Parce que 6 heures après, il rentrait dans Shabbat, il était avec sa femme, Inematov Manaim,
il mange le Etz Hatzchaim avant le Etz Hadaat, il a la vie éternelle, et on a fait le Tikkun, Olam Haba et la totale, et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Maintenant, comprenez bien que où est-ce qu'elle amène la faute du veau d'or ? Dans le texte, il y a marqué comme ça. Ils sont allés voir Aaron, ils lui ont demandé « Fais-nous un veau » parce que l'homme Moshé, on ne sait pas ce qu'il est devenu. D'accord ? Aaron leur fait le veau d'or. On ne rentre pas dans toutes les explications, d'accord ? On n'a pas le temps. Il leur fait le veau d'or. Le veau, il sort. Oui ! Il parle, il court, il marche. Flippant, hein, l'histoire, imaginez. Hein. Ah ouais ? Ah ouais, franchement. Hein. Un veau en or qui court et qui parle. « Je suis ton Dieu, ô Israël !» C'est flippant. Qu'est-ce qu'ils lui disent ? Ils lui disent « Fais-nous des dieux qui marcheront devant nous. » Vous me suivez, mais retenez bien ce que je viens de dire. « Fais-nous des dieux qui marcheront devant nous. » Jusque-là, tout va bien ? Le veau, il sort, ils font 12 autres veaux. Dans chaque tribu, il y avait un veau. OK. Et ensuite, il y a marqué, ils leur ont amené des corbanes shlamim. Ensuite, ils leur ont amené des corbanes d'oblation, donc des corbanes qui sont pu manger aussi. Et après, ils se sont assis, ils ont mangé. Non, les Hébreux d'Israël, ils ont mangé, ils ont bu et ils ont, il y a marqué les tzachek. Mais les tzachek, c'est quoi ? Ils ont rigolé. D'accord ? Vous savez tous, les tzachek, ça veut dire rigoler. Non, en hébreu, les tzachek, ça veut dire c'est avoir des relations. D'accord ? C'est bizarre. Donc, voilà. Donc, en fait, l'histoire du veau d'or, on fait un veau pour remplacer Moshé Rabbeinu. On fait des corbanes Kehilou pour Hachem. Ensuite, on descend d'un niveau, on fait des corbanes, moitié pour Dieu, moitié pour nous. Ensuite, on fait des corbanes pour nous, on bouffe, on boit, on se déchire et on finit par faire une orgie. C'est ça le veau d'or. Et en fait, toute l'histoire, c'est quoi ? C'est exactement la même chose que la faute originale. La faute originelle, pardon. Au niveau de la faute originelle, qu'est-ce qu'il a dit le serpent à Chava pour la faire fauter ? Vous croyez qu'il lui a dit, t'as de beaux yeux ? Qu'à Paracheli, t'es belle, mange la pomme, tu vas kiffer. Hein ? Il lui a pas dit ça. Il lui a pas dit ça. Il lui a dit, tu sais quoi, ma chérie ? Il lui a dit, tu sais comment Dieu est devenu Dieu ? Et Chava, elle était tmima. Vous savez que c'est pour ça qu'on dit qu'une femme, elle n'a pas le droit d'être qu'elle n'a pas le droit d'être témoin parce que d'atteindre Kala. Ça veut dire quoi ? Une femme, elle est influençable. C'est pas méchant, Chazav Shalom. C'est juste qu'une femme, elle a une tendance à être influençable. Et lui a dit, tu sais comment Dieu est devenu Dieu ? Alors elle dit, non, dis-moi, je ne sais pas. Adam, il ne m'a rien dit. Il lui a dit, il a mangé le Etz Hadat Tov Vara, et il est devenu Dieu. Donc si vous mangez, toi et ton mari, le fruit défendu, oui. Vous n'êtes plus des créations, vous devenez des créateurs. Elohim. Et Elohim, ça se dit au pluriel ou au singulier ? Au pluriel. Donc en fait, vous vous rappelez ce que j'ai dit au début ? Hachem Omer Echad. Quand Dieu il a créé le monde, déjà à la base de la création du monde, Dieu il a dit Bereshit bara Elokim et Hashem Elokim. Vetaharet aita tohu vavou. Dieu il crée le monde. Il n'y a pas quelque chose qui vous perturbe là. Vetaharet aita vavou. Et sur terre, c'était le balagan. Tohu bohu, c'est excusez-moi du terme, c'est le bordel. C'est le bordel. Mais où ? Sur terre ou dans le ciel ? Sur terre. Oui, donc c'est balagan, on est dans l'obscurité, d'accord ? Il va naître la lumière. Ok ? Dieu, il est quoi ? Dieu, il est un. Dieu, il est un, écoute. On a toujours expliqué que la création du monde s'est faite dans la dualité. Bereshit, c'est un bête. Bête, c'est deux. C'est pour ça que Dieu va réserver le Aleph à quoi ? Anochi Hashem Elokecha. Vous me suivez jusque-là ? Vous êtes d'accord avec moi ? Maintenant, au moment où Dieu il va faire descendre donc, sa parole et sa grandeur, et Dieu, il est, donc tout ce qu'il dit, c'est chad, c'est clair. Mais quand il va faire descendre, qu'est-ce qui se passe ? Imagine, tu vas envoyer une lumière sur un diamant. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se divise. Il se divise. En combien ? Autant de faces qu'il a le diamant. Oui ou non ? C'est ça la création du monde. Dieu, quand il a créé le monde, il a fait Shbirat Akilim. Shbirat Akilim, c'est quoi ? C'est qu'il s'est retiré de la création pour que la création existe. Parce que s'il ne se retire pas, la création ne peut pas exister puisqu'il contient la création. Donc Shbirat Akilim, c'est quoi ? Imaginez, c'est comme si tu explosais un vase. Paf ! Tu sais en combien il va s'exploser le vase ? Quand un vase, il explose, il peut exploser en 10 morceaux comme il explosait en des milliers de morceaux. C'est ça Shbirat Akilim. Donc le monde, en fait, il a plusieurs facettes.
Et donc, quand un monde, il est en différentes facettes, c'est pour ça que quand vous regardez bien le cycle du monde, bah, des fois, on est dans une phase de lumière, des fois, on est dans une phase d'ombre, des fois, on est dans une phase de marée, des fois, on est dans une phase de... Oui ou non ? Le monde est dans une phase circulaire de facettes, oui ou non ? Donc, comment on dit circulaire en hébreu ? Rond ? Comment on dit ? Agol. Agol. Igoul. Hegel. Quand on dit chet à Hegel, d'où vous avez vu qu'il y a marqué la faute du veau d'or ? Chet à Hegel. Chet à Igoul. La faute de la nature. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand Dieu il dit un, moi je vais dire deux. Quand Dieu il va nous envoyer une ordonnance, on doit faire quoi ? On doit la faire. Comment est-ce que tu peux dire que le Hegel, c'est une avodazara, alors que dans le Kodesh à Kodashim, d'accord ? Kodesh à Kodashim, donc le Saint des Saints, l'endroit le plus kadosh au monde, d'accord ? On a là-bas, entre guillemets, une avodazara. Quoi ? Où une avodazara ? Ben, on avait une boîte. Dans cette boîte, on a les premières tables, les deuxièmes tables, le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, la Tzitzenet de Man, donc le comment on appelle ça ? L'échantillon de Man, d'accord ? Là-bas, on a un capot, donc pour fermer cette petite boîte. Et sur cette boîte, on a deux chérubins qui ont chacun la tête d'un être humain. Un, c'est un homme, un, c'est une femme, d'accord ? Et quand la présence divine se parle, ils se regardent l'un à l'autre comme deux amoureux. Comme deux amoureux. C'est pas une avodazara, ça ? Alors pourquoi là-bas c'est une avodazara et là-bas c'est pas une avodazara ? Oui ou non ? Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi ? Pourquoi le veau c'est une avodazara alors que le Aaron HaKodesh, le Aaron HaKodesh, c'est pas une avodazara ? Bon, il y en a certains qui disent qu'il y avait deux grands anges à l'intérieur avec des grandes ailes, certaines représentations. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi ou pas ? On continue. Encore une fois, ensuite, il y a encore une chose qui se passe. Quand ils font le veau, d'accord ? Ils disent, là-bas, ils vont utiliser quoi ? On dit que, nos sages nous disent qu'ils vont jeter la plaque de Yosef. Ils vont jeter la plaque de Yosef. La plaque de Yosef, c'est quoi ? Yosef, vous savez, à l'échor, quand il a jeté la plaque dans le Nil, Moshe Rabbeinu, pour faire monter Yosef, ils ont pris la plaque, ils l'ont jetée là-bas. Et de là, il est sorti le veau d'or. Vous vous rappelez, on l'a expliqué ça. Et l'explication nous dit que pourquoi est-ce qu'ils ont jeté la plaque de Yosef ? Parce que Yosef, en fait, il ne représente pas n'importe qui. Yosef, c'est Mashiach ben Yosef. Et aussi, c'est le Yesod. C'est quoi le Yesod ? C'est la Brit Mila. Shmirat Abrit. Donc celui qui garde sa Brit Mila. Donc, il ne fait pas de débauche. OK ? Vous me suivez jusque-là ? Yosef, c'est Mashiach ben Yosef. C'est qui le Mashiach ben Yosef ? C'est celui qui doit établir un peuple sur sa terre. Celui qui doit construire, reconstruire Eret Israël. Mais après Mashiach ben Yosef, il faut qui ? Mashiach ben David. Mashiach ben David, c'est qui ? C'est Yehuda. C'est la Malchut. Et la Malchut, c'est quoi ? C'est la Torah. Meler, c'est qui ? Meler Haolam. Et eux, ils ont jeté Yosef au feu. Oui ou non ? Ils lui ont dit, nous, on veut bien. On veut bien le peuple d'Israël. On veut bien faire partie du peuple d'Israël. Mais on veut que Mashiach ben Yosef. On veut un peuple sur sa terre, mais sans Torah. Ça vous rappelle rien ? Ça vous rappelle rien ? Aujourd'hui ? Les élections d'aujourd'hui. Ouais. Vous rappelez quelque chose ? Ouais. On veut bien être des juifs, mais pas de Torah. On veut que Mashiach ben Yosef. Et tu vas nous laisser tranquille avec ta Torah. On ne veut pas du Yesod. On s'en fout de Shmirat Abrit Mila. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? Metzachek. Ils ont eu des rapports illicites. Le but de ça, comment ça commence ? La consommation. Comment ça a commencé la faute du Etz Hadat Tovara ? Il l'a proposé de consommer le Etz Hadat Tovara, le serpent. Elle a vu que le fruit était beau, il était bon. Comment ça s'appelle la société dans laquelle on vit aujourd'hui ? Une société de consommation. On consomme tout ce qu'on n'a pas besoin. Ils auraient dû manger Etz Haim avant Etz Hadat. Comment est-ce qu'il a amené les Bnei Israël à la faute à Achashverosh en leur faisant un festin. Donc à chaque fois qu'on veut te faire tomber, on va t'amener quoi ? La bouffe. De la consommation. Et aujourd'hui, on consomme tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux consommer, c'est vrai, de la nourriture, mais tu peux consommer aussi des films, du net, des femmes, de la drogue. Ça s'appelle de la consommation. En fonction de ta déviance,
tu vas consommer ce que tu vas avoir besoin. Et qui c'est qui va te donner ça? Ce n'est pas Dieu, c'est les Yetzirahara. Donc en fait, le Yetzirahara, c'est qui? Nous-mêmes. Non, c'est le serpent de la faute originelle. C'est celui qui a fait tomber Chava. Donc en fait, ils te disent quoi? Que la faute du veau d'or, c'est qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, on ne veut pas. On en a marre. On est incapable de comprendre Dieu. Ils lui ont dit comme ça. Ils lui ont dit, Hachem, il dit un, et moi, je comprends deux. Fais-nous des dieux. Depuis quand on fait des dieux? Depuis quand est-ce qu'on peut faire des dieux? Qui marcheront devant nous? Ça veut dire quoi? Si fais-nous des dieux, ça veut dire que le dieu, c'est moi. Ça veut dire que moi, je vais décider de ce que je veux faire. Et quand l'homme, il décide de ce qu'il veut faire en général, c'est pourquoi? Pourquoi en général? Des bêtises, pour fauter. Ça veut dire quoi? On relègue à Kadosh Baruch Hu dans ses appartements. Qu'il soit lui en... Et oui, d'accord, il a créé le monde. Qu'il soit dans son histoire, dans son ciel, entre guillemets. Et nous, on est sur terre. On fait ce qu'on veut. Et Elohim, fais-nous des dieux. C'est-à-dire, on veut être dans la pluralité. On ne veut pas comprendre Dieu dans son originalité, dans sa pureté, dans son unité. L'unité nous intéresse pas. Nous, on veut être notre propre Dieu. C'est ça la faute du veau d'or. Et c'est exactement ce qu'il lui a dit quand? La faute originelle. Dieu, il a mangé du fruit défendu pour devenir un Dieu. Donc, vous allez devenir des dieux. On est toujours dans le pluriel. Et il faut savoir que pourquoi ils ont été autant tentés? Pourquoi quand même, si c'est la génération du savoir, d'or à d'air, on les appelle la génération du désert. Pourquoi est-ce qu'ils ont fauté? Ils n'auraient pas dû fauter. Puisque si c'est les meilleurs, la meilleure génération qui a reçu la Torah, ils n'auraient pas dû fauter. Nos sages nous disent que partout où il y a une élévation, il y a une chute. On dit que plus l'homme y grandit, plus son yetzer y grandit avec lui. Oui ou non? Eh bien, il venait de recevoir quoi? La révélation divine d'Akadosh Baruch Hu. Au moment où Dieu il crée le monde, on a dit quoi? Tohu vavohu. C'est le balagan. Bah oui, le 1, il rentre dans le 2. Ça ne peut pas marcher. Nachon ou le nachon? Au moment où il y a la révélation divine sur le mont Sinaï, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dieu, il descend sur le mont Sinaï. Oui ou non? Comment il s'appelle le mont Sinaï en hébreu aussi? Il a un autre nom. Har-Chorev. Chorev, c'est quoi? C'est la destruction. Comment est-ce que tu peux dire que le mont où il a eu la Torah, c'est le mont de la destruction? Et si vous regardez bien le texte, je ne dis pas de mots, le texte dans le Chumash, il y a marqué là-bas, et il y a eu des éclairs, et il y a eu des tonnerres, et le mont est en feu. Pourquoi? C'est le balagan quand même. C'est quoi? Ça fait peur, dis-moi, c'est un film d'horreur. C'est pas agréable, dis-moi, s'il y a la révélation divine, ça doit être beau, ça doit être fleuri, et des chansons, et on fait de la musique, et on reçoit le roi dans son palais. Ben non, l'infini vient dans le fini, ça ne peut pas se passer normalement, puisqu'on n'est pas encore arrivé au niveau de devenir infini, donc on ne peut pas recevoir correctement le fini. Alors pourquoi est-ce que c'est considéré comme une faute? Pourquoi? Parce que ce n'est pas une mitzvah. C'est ça le secret du veau d'or. Quand Dieu il va te demander, fais des chérubins, fais un kior avec 12 veaux. Il y avait une fontaine dans le Beth Amikdash. Beth Amikdash, le premier qui a été construit par Shlomo Meller. À l'extérieur du parvis, et vous pouvez voir dans les photos sur Internet, il y a une grande cuve d'eau. Qu'est-ce qui soutient cette cuve d'eau? 12 veaux. En or! Ouais. Pourquoi c'est pas interdit là? Pourquoi est-ce que sur les rideaux, il y a des représentations de lions et d'aigles et de machins? Ça doit être interdit normalement. Pourquoi est-ce que dans le Kodesh à Kodashim, même les Romains, d'accord? Non, les Romains ou les Perses, je ne me souviens plus. Ou les Babyloniens, je ne me souviens plus. Un des deux, quand ils sont rentrés dans, je crois que c'est les Romains, quand ils sont rentrés dans le Kodesh à Kodashim, les Babyloniens, puisque dans le deuxième, il n'y avait pas l'arche sainte. Quand ils sont rentrés, les Babyloniens, d'accord, quand Nebuchadnezzar il avait envoyé Nebuzradan, d'accord, et qu'ils ont détruit le temple, le premier temple, quand il a poussé la parochette, il a vu ça, il est tombé sur les fesses. Il a dit, attends, je ne comprends pas. C'est ça, leur Dieu, c'est un mec et une meuf qui font un bisou. Mais c'est ça la force du Dieu d'Israël. Il y a un souci. Mais non, ils n'ont pas compris que toute la force d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est dans l'amour d'Israël. Vous comprenez ou pas? C'est dans la quoi? Dans l'amour d'Israël. Donc en fait, la faute du veau d'or est une faute. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a ordonné. Et on va encore plus loin. Vous vous rappelez de Nadav et Avihu?
Il a vraiment lui parler de Nadav et Aviou. Nadav et Aviou. Nadav et Aviou, deux fils d'Aaron. D'accord, Nadav et Aviou. Nos sages, d'accord, nos chachamim nous disent. C'était les fils d'Aaron. Les fils d'Aaron. Nos sages nous disent, écoute bien ce qu'il nous dit Nathan. C'était pas des tocards, hein, Nadav et Aviou. Ils nous disent que Nadav et Aviou, ils étaient plus grands que Moshe et Aaron. Plus grands que Moshe et Aaron. Hein? Moshe, il a... Non, ça c'est dans le Midrash, il ne le dit pas dans la paracha. Il le dit là-bas. Ils y sont plus grands. Ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim. Flac. Là-bas, il y a marqué qu'il y a un feu en forme de serpent qui est rentré dans leurs narines. Il les a brûlés de l'intérieur. Pourquoi? Et là-bas, il y a marqué parce qu'ils ont amené un feu étranger. Il y a marqué Esh Zar. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu faire kiffer à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Sur place, ils sont morts. Hein, ils n'ont pas attendu. Hein, les mecs sur place, brûlés de l'intérieur. Imaginez le truc, hein, par un feu divin. Attends, ils sont plus grands que Moshe Rabbeinu. Ils amènent une offrande à Kadosh Baruch Hu et ils sont brûlés dans le Kodesh HaKodashim. Ben, ces mecs-là, normalement, dans ta logique pure, c'est quoi? C'est des saints, les mecs. Dieu, il te dit, je ne te l'ai pas demandé. Tout ce que je ne te demande pas, ce n'est pas une mitzvah. Quand je te demande de faire quelque chose, même si ça va à l'encontre de ta logique, même si ça va à l'encontre des lois que moi j'ai données, c'est moi qui te l'ai ordonné. Donc, quand je te demande de faire des chérubins qui représentent un homme et une femme, donc qui est censé être représenté une avodah zara, étant donné que c'est moi que tu l'ai demandé, que je suis Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, ce n'est pas une avodah zara. Quand toi, tu décides de faire une avodah zara pour faire le lien entre toi et moi, c'est une avodah zara. Trop d'amour, tu l'amour. C'est une avodah zara, exactement. Trop d'amour. Tu l'amour. Et il y a encore une belle explication qui dit que il faut savoir que quand ils ont voulu faire le veau d'or, ils ont voulu quelque part, c'est une autre explication qui dit qu'ils ont voulu supprimer Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il est quoi? Il est le Rav. Et le Rav, en général, il donne quoi? Les lois, les directives. Il explique en fait la Torah, il explique le droit chemin, il explique la halakhot. Mais quand on fait le veau d'or, on veut faire quoi? La luxure, la bouffe, les sept péchés capitaux. D'accord? Les sept péchés capitaux. Donc, on n'en veut pas du Rav. Donc, ils ont voulu faire quoi? Rendre obsolète Moshe Rabbeinu. Et il y a marqué quoi? Assez les Rav et Tistalek Minasafek. Pourquoi ils ont fauté? Parce que le Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il lui a donné le plein pouvoir. Il leur a dit, vas-y, teste-les à ce moment-là. C'est la Doradea. Ils sont arrivés à un niveau extraordinaire. Donc, si eux, ils ont augmenté, leur Yetzara, il a augmenté ou pas? Soyez avec moi encore un petit peu, on a bientôt fini. Oui ou non? Comme il y a toujours les Bnei Israël et le RR Rav, ouais. Est-ce qu'ils sont tous montés à ce niveau-là, y compris le RR Rav? Ils ont eu la révélation divine, oui. Ah oui. Et il faut que tu comprennes une chose. Alors, pourquoi dans ces cas-là? Il y a 3000 à 3800 personnes qui ont fauté, hein, pas plus. Donc, pourquoi tout le peuple a été puni? Pourquoi? Non. Et merci. S'il y a quelqu'un qui se fait tabasser dehors et toi tu regardes, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Tu es complice. Eh bien, ils ont été complices. Celui qui se tait, c'est comme si il l'acceptait. C'est pas la même chose. C'est pas la. C'est... Oui, c'est. Et justement, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Parce que Bereshit, bara Elohim. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans le schéma Israël? Elohim Achirim. Elohim Achirim. C'est-à-dire qu'au niveau du Elohim, comme tu dis, c'est une bonne question qu'il pose Eliyahu. C'est-à-dire que c'est exactement, ça rejoint ce que j'ai dit, Eliyahu. Dieu, il est un, mais il crée un monde à deux. Donc, il est obligé d'être Elohim quand il crée. Il est obligé d'être en dualité. Parce que s'il crée un monde de dualité, il est obligé de se mettre en deux. Oui ou non? Parce qu'il doit, subjuguer son unité pour en faire une dualité. Pourquoi? Parce que sinon, le monde ne peut pas exister. Puisqu'on ne peut pas être à la place de Dieu. Et c'est exactement la faute du veau d'or. On a voulu être à la place de Dieu. On a voulu prendre sa place, décider. Donc, il n'y a plus de mitzvot. Il n'y a plus de Torah. Il n'y a plus de faire ce que Dieu veut. Il y a faire ce que je veux. Oui ou non? Donc, quand toi, tu fais ce que tu veux, il n'y a plus de Torah. Donc, il n'y a plus de judaïsme. Donc, il y a la destruction du monde. Oui ou non? Donc, en fait, l'union, c'est quoi? C'est que, et quand tu n'as pas de Rav, tu es dans le Safek. Et quand elle sent sa fake, tu fais quoi? Tu fautes. Une bêtise. Oui. J'ai un truc aussi que j'ai vu quelque part. Oui. Donc, je ne dis pas que des bêtises alors. Non, c'est bien. C'est encore formidable aussi.
comment tu écris Covid en hébreu? Ah ouais, mais ça, je suis pas d'accord. Dibouk. Je suis pas très fan. Et il y a un truc qui dit que Dibouk. Dibouk, c'est quoi? C'est un esprit, un mauvais esprit qui rentre dans les personnes. C'est comme un roi, c'est comme une espèce de démon qui va rentrer dans la personne. Et en le lisant à l'envers, ça fait Covid. Non, le Dibouk, c'est pas un Warshtout. C'est plutôt un mauvais esprit qui rentre dans une personne. C'est pas tu fautes et t'as un Dibouk. Les personnes qui. Oui, ça existe. Et en général, ça part par le pied. Par le pied, par le petit doigt de pied. Et ils disent que quand tu le lis à l'envers, ça fait Covid. Je suis pas fan de cette histoire. Je suis pas fan. Je trouve que. C'est un peu tiré par les cheveux. Écoutez, tous les nianim qui se rapportent au Covid, khalas, ça suffit. Parce qu'on a tellement de fake news, on a tellement de bêtises, d'accord. D'un côté, on te dit il y a des milliers de morts dans les hôpitaux. D'un autre côté, on te dit les urgences, elles sont vides. D'un autre côté, on te dit celui-là, il est mort du Covid. Il a fait un accident de voiture. D'accord. Donc, bon, c'est vrai, malheureusement, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui meurent. Attendez, je peux te dire que les hôpitaux en France, le service réanimation est surbooké. Écoute, parce que France, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Écoutez bien ce que je dis. Ici, c'est vide. Il y a des gens, malheureusement, qui meurent. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont malades, même forts. Eliaou, il a pas passé un moment de détente avec le Covid. Hein, d'accord. Encore aujourd'hui, tu as des séquelles, c'est bien ça. Donc, il a douillé. Le père Bismuth, le pauvre que Dieu lui envoie à la réfoua chez les mains, il a eu le Covid. Et ses gens ne le tiennent plus. Non, il n'a même plus à se mettre debout, même pas assis. D'accord. Je ne sais pas. Il n'est pas très vieux. D'accord. Je ne dis pas que Chas v'Shalom. Mais Baruch HaShem, sur le Covid, on a entendu tout ce que tu veux. D'accord. Des vertes et des pas mûres. D'accord. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter aussi de se limiter à ça. Ce que je veux dire, c'est que on réitère, mais moi aussi je l'ai eu, après chacun son niveau, on réitère la faute du Vaudor. Au jour d'aujourd'hui, j'ai appelé le cours Vaudor 2021. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous-mêmes, on réitère la faute du Vaudor. Nous-mêmes, on se fait des dieux. Je ne parle pas pour vous, je parle pour moi, mais tu décides de ta propre existence. Ah, ça me saoule. Ah ouais, non, mais ça. Vous savez que malheureusement, je ne sais pas si vous avez entendu ce genre de choses, je ne sais pas si vous regardez un petit peu les infos ou bien regardez des fois des reportages. Mais vous savez que malheureusement aujourd'hui, il y a des rabbins, d'accord, des rabbins donc, qui ont étudié la rabbanoute, qui ont étudié tout, qui sont devenus rabbins, d'accord. Je ne vous parle pas de rabbines, hein, je vous parle de rabbins. Je ne parle pas de ces femmes-là qui s'appellent les rabbines. Je parle vraiment de rabbins, d'accord. Eh bien, ils sont homosexuels. Ils le revendiquent. Et qu'est-ce qu'ils disent écoutez bien ce qu'ils disent. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu. Hein, le mec, il dit ça dans le reportage. Il dit, ben, je suis comme tout le monde. Je suis qu'un homme. Je fais ce que je peux. Et ça, je n'arrive pas. Je ne contrôle pas. Ça s'appelle un veau d'or. Aujourd'hui, écoute bien. Et le mec, il continue à être rabbin dans sa communauté. C'est un rabbin de Nathania, le mec, hein, que j'avais entendu. Écoute, il n'est pas francophone. Hein. N'allez pas voir tous les rabbins francophones. Oh, t'as vu, j'ai écouté le rabbin Natalia, le gentil, là, comment il s'appelle. J'aime bien celui-là. Le jeune, là. Chemouni. Ah, c'est lui. Non, je ne parle pas de lui, Chas v'Shalom. Ah, bah, tu vois. Non, mais lui, il n'est pas homosexuel, je pense pas. Non, il n'est pas. Non, mais c'était pour pouvoir comprendre. Chas v'Shalom. On continue. Vous savez qu'aujourd'hui, regardez, jusqu'où on va fabriquer son mot d'or. Écoutez bien. Oui. C'est vrai, tu as dit que le monde, il est partagé par deux. C'est vrai. Alors, si tu dis comme ça, ça doit être qu'il y a deux mondes. Non, il n'y a pas deux mondes. C'est que dans le monde, il y a le bien et le mal. C'est Beyachad, Zenomad. Il y a deux planètes. Non, il n'y a qu'une planète, mais on vit. Et ça Tov Vara. Dans le même art, tu as le bien et le mal, comment tu fais? Comment tu fais créer avec une dualité? La dualité, le 2. Shtaim, c'est quoi? C'est Gam Tov et c'est Gam Ra. Et je serai Gam Yetzara Tov et Gam Yetzara Ra. C'est Oto Inyan. C'est Shne Dvarim be Oto Adam. T'as compris? C'est deux choses dans la même personne. Comment est-ce qu'on peut? C'est comme un verre. Les moitiés vides et moitiés pleins. Exactement. Quand tu le regardes, il y en a, ils vont dire ton verre, il est moitié vide. Et l'autre, il va dire il est moitié plein. Non, ça va, arrêtez-vous. Et écoutez bien. Attendez, écoutez bien. Vous savez, écoutez bien. Regardez comment est-ce qu'on. Comment... Mais arrêtez vos bêtises. Non. Comment est-ce qu'on construit. Comment est-ce qu'on construit. Je vais finir là-dessus. Comment est-ce qu'on construit son mot d'or. Écoutez bien. Aujourd'hui, malheureusement, dans certains.
endroits très, très religieux, dans un endroit très, très religieux, des gens ont pété les plombs, d'accord ? Et ont décidé de rejeter la Torah. Quand je vous dis rejeter la Torah, je mâche pas mes mots, hein, je pèse mes mots. Et ces gens-là, écoutez bien ce qu'ils font. Pourquoi c'est le veau d'or ? Aujourd'hui, ils font ça. Hein. La journée, par exemple, les hommes sont profs dans des Talmudés Torah, chapeau, barbe, tzitzit jusqu'au parterre. Les femmes, kisui roche, mères de famille, elles emmènent leurs enfants, les mitzvot. Et le soir, club échangiste. Ils rentrent, ils sortent de leur maison. Leurs maris sont au courant, leurs femmes et leurs maris sont au courant. Ils vont dans leur boîte. Écoute bien, il y a des groupes comme ça, il y a des groupes WhatsApp en Israël. Ils vont dans leur voiture, ils ouvrent leur coffre, ils mettent les jeans, ils mettent les mini, ils mettent les machins. Pas que dans des clubs échangistes, ils vont dans des bars, ils font des soirées, ils fument des substances illicites. Et 2-3 heures après, ils rentrent chez eux, ils se rhabillent comme si de rien n'était. Leur mari est au courant, hein, leur mari et la femme sont au courant. Mais comme ils ont une double vie, ça s'appelle. Vous savez, je vous explique. Je ne regarde pas les informations parce que j'aime regarder les informations. C'est parce que, comme il a dit le Rav Tutu tout à l'heure, il a dit si aujourd'hui on fait un cours et que c'est ennuyant et que ça ne touche pas avec ce qu'on vit, ça ne sert à rien de faire un cours de Torah. Ouais. Donc je me renseigne. Je me renseigne, je cherche des choses, je regarde. Et des fois, j'entends des choses, je vais rechercher. Pour voir, pour comprendre. Et malheureusement, dans la société où on vit, ça s'appelle le veau d'or. Le veau d'or. Et c'est pareil pour tout. Des gens qui vont au travail, qui sont des avocats, qui sont des médecins, qui font des dons à la synagogue, qui sont des grands. Et puis derrière, en fait, c'est le forex. Ou bien les mecs qui sont président de la synagogue, et le soir, il se fait frapper par une maîtresse dans un donjon. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Hachem Ishmor, comment tu peux être le comment dire, comment tu peux mettre tes tefillines le matin et faire ça? Ça s'appelle de l'incohérence, ça s'appelle de l'incompatibilité, ça s'appelle le veau d'or, ça s'appelle le veau d'or, ça s'appelle le veau d'or. C'est quoi le veau d'or? Naase Elohim, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Regarde, moi d'un côté je suis clean, je veux juste me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que je veux toujours être en contact avec lui. Le matin, je mets mes tefillines. Mais le soir, je suis dans le club pourri. Ouais. Pourquoi ? Je garde. Mais justement... Non. Tu as raison, Arnaud. Ouais. C'est l'Yetzerara. Mais à un moment donné, c'est soit tu acceptes d'être, et ça, c'est de la chassidoute, soit tu acceptes d'être le serviteur du Yetzerara, soit accepter d'être le serviteur de Dieu. Mais tu es obligé d'être un serviteur. Quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non, on a été mis au monde. Qu'on soit religieux, pas religieux, et vous allez comprendre, qu'on soit religieux, pas religieux, juif ou pas juif, l'homme, il a été mis sur terre, pourquoi ? Pour être un serviteur, pour trimer. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée ? Métro, boulot, dodo. Tu fais quoi ? Et c'est vrai, tu travailles toute la journée. Pourquoi tu travailles ? Pour qu'à la fin, quoi ? Arriver à un studio de mettre sur 1m50 pour tout le monde, riche, pauvre, religieux, pas religieux, qu'est-ce que tu as gagné à la fin? C'est comme studio de mettre sur 1m50, oui ou non? Donc, tu as fait quoi toute ta vie? Bah, tu t'es défoncé. Ouais, mais moi j'aime bien. VIP. Écoutez bien, on te dit qu'en fait, toute ta vie, tu trimes, c'est vrai ou pas? Non, mais c'est vrai ou pas? Qu'on soit religieux, qu'on soit pas religieux, faut être honnête entre nous, oui ou non? Les gens qui ne sont pas religieux, ben, ils font comme nous. Ils vont se lever le matin. Bon, c'est vrai, ils ne vont pas faire Modali, ils ne vont pas faire Shema Israël, ils ne vont pas aller à la Tfila, mais ils vont quand même aller trimer pour travailler. Exactement. D'accord ? Les autres qui vont peut-être aller être riches, eh ben, ils vont trimer parce qu'ils ont des projets, ou parce que leur femme, elle est casse-tête, ou parce que leurs enfants, ben, malheureusement, ils ont mal tourné, leur allez-nous. Eh bien, eux, ils vont travailler là-dedans. Mais quoi qu'il arrive, et un, il a du shalom bayit, Baruch Hashem, il va trimer pour travailler. Un, il n'a pas de shalom bayit, et ben il va trimer dans son shalom bayit, il va avoir une part d'insa. L'autre, il va trimer dans le truc, mais il ne va pas avoir la santé, il va trimer pour sa santé. Et l'autre, il va truc, et ses enfants, ils sont traluides. Vous avez vu une personne aujourd'hui qui est tranquille? Non, vous avez vu tranquille? Non. Non, au jour d'aujourd'hui encore plus. Et nos sages nous disent que quand il y a une paracha qui tombe dans la semaine, c'est que la force de la paracha, elle mâche pia. Allez-nous, Beoto, Shavua. Ça veut dire quoi? Que la force de la paracha,
elle se met sur nous dans la même paracha. C'est-à-dire que quoi ? Dans la semaine qu'on vient de passer, donc jusqu'à mardi, jusqu'à aujourd'hui, c'était la paracha qui dit ça encore, très bien. Donc la force du veau d'or, elle était sur nous. Donc c'est à choisir. Est-ce que tu veux choisir le veau d'or ou est-ce que tu veux choisir un Kadosh Baruch Hu ? Est-ce que tu veux que ton temple, ce soit une synagogue ou est-ce que tu veux que ton temple, ce soit un Avodah Zarah ? Est-ce que tu veux que ton Dieu, ce soit l'oseille ? Est-ce que tu veux que ton Dieu, ce soit les femmes ? Est-ce que tu veux que ton Dieu, ce soit la bouffe, la luxure ? Les sept péchés capitaux, c'est Avodah Zarah. Quelqu'un qui n'est pas capable de se retenir dans la bouffe, c'est Avodah Zarah, son Dieu. C'est-à-dire que le mec, il bouffe même à s'en faire péter la panse, mais il va encore bouffer, il va se faire vomir, il va prendre des cachets. Son Dieu, c'est quoi ? C'est la bouffe. C'est d'accord. Ou non, c'est pas que c'est pas contrôlable, c'est que le mec, il faut qu'il bouffe, sinon il est pas bien. Il bouffe, il est dans une dépendance. Une dépendance de quoi ? Une dépendance une névrose. Donc c'est quoi ? Le mec qui que les femmes. Le mec il devient fou. Quand sa femme est Linda, le mec. Ah non, faut que je vois des films pour la voisine. Hey, oh, tu tiens debout, t'es un chien à quatre pattes. Non, mais c'est vrai, il faut être clair. Les mecs, c'est des ouf. D'accord ? Moi, j'en ai eu au téléphone, à chez Michemin. Il faut remettre les choses à leur place. Elinita, prends une grande bassine de glaçons et assieds-toi dedans. Je sais pas, le type, l'oseille. Son fils, il crève. Papa, on peut parler ? Non, il faut que je travaille. Attends, dis-moi. Ah, papa, tu sais, aujourd'hui, j'ai fait ça. Hey, pas le temps. Écoute-le. Prends-le avec toi, un chour de Torah. Ah, j'ai pas le temps. Pourquoi tu n'amènes pas ton fils à la synagogue ? Hey, de toute façon, celui-là, il ne prie pas. Et alors ? Amène-le quand même. C'est important. Moi, mon fils, quand il a eu la bar mitzvah, j'ai dit, tu viendras au cours de Torah. Pourquoi ? Même s'il ne comprend pas tout, même s'il n'accepte pas tout, même s'il n'est pas, il n'est pas encore, peut-être, au niveau, parce qu'il est plus jeune que nous au niveau de sa compréhension. Mais c'est pas grave parce que c'est un moment que je passe avec lui, même si on est tous ensemble, mais il voit que je l'amène et donc ça lui donne une importance. C'est une confiance que tu lui donnes. Tu lui montres qu'il est important pour toi. Mais si le mec, son fils dit, papa, je peux venir à la synagogue avec toi, ça va, tu sais pas lire. Papa, on peut aller marcher. Ah, je vais me balader avec. Attends, j'ai un WhatsApp. Non, et malheureusement, c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Ça s'appelle le veau d'or. Le veau d'or, c'est quoi ? C'est Avodah Zarah. Avodah Zarah, c'est pas t'as fait une idole. Avodah Zarah. C'est que t'as amené une chose qui est contraire à ce que Dieu t'a demandé. Dieu t'a demandé, tu te maries. Dieu t'a demandé, tu fais un foyer. Dieu t'a demandé, tu fais les Torah et les mitzvot. Dieu t'a donné 613 mitzvot. Et sur les 613 mitzvot, écoutez bien. J'avais entendu encore une fois, je ne sais plus c'était quel rave, je crois que c'est le rave du tout. Je l'écoute beaucoup, c'est une référence pour moi, d'accord ? Ces rabbanim là, on a la chance de les avoir. Le rave du tout, le rave Citruc Baruch Hashem, le rave Belarus Baruch Hashem, c'est en français, hein, donc vous pouvez y aller, hein, ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Ceux qui comprennent l'hébreu, allez écouter le rave Meir Eliyahu, c'est de la bombe de balle, d'accord ? J'ai dit ceux qui comprennent l'hébreu, non, pas. Bon, ceux qui comprennent l'hébreu et qui comprennent très bien l'hébreu. Non, d'accord ? Oh, ok, n'écoutez pas les choses sur les Gilgoulis, mais sur le Yetzirah, c'est un peu compliqué. D'accord ? Sur Malacham Avet, ça c'est un peu dur à écouter. D'accord ? Ça, franchement, tu fais dans ta culotte. Ouais. D'accord ? Il y en a, Baruch Hashem, on en a, le Rav Lemel, Baruch Hashem, Torah Vox, vous savez, extraordinaire ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Ils vont ressortir, remasteriser les cours que le Rav Citruc y donnait il y a 30 ans. Et pour finir, on va finir avec ça. Donc, vous avez compris ce que c'est le veau d'or ou pas ? Donc, le veau d'or en 2021, il existe ou pas ? Oui, à nous de choisir si on veut le veau d'or ou pas le veau d'or. Écoutez bien. J'ai écouté un cours. Justement, là, j'ai écouté un cours du Rav Citruc Zichrono Livracha qu'il a donné il y a plus de 30 ans. Et en l'écoutant, je me dis, le cours, bon, lui, il n'est plus là. Il est au Olam Haba, au Baruch Hashem. Le cours, il n'a pas pris une ride. Une ride, hein ? C'est-à-dire qu'il parle, le Rav. Le cours, il y a 30 ans, hein, enregistré à la synagogue de la victoire. Tu vois l'image, tu as envie de mourir. Ça doit être un truc qui a été filmé en Super 8 ou je ne sais pas quoi. D'accord ? Et là-bas, toutes les paroles qu'il dit, il n'y a pas une parole qui ne te touche pas. 30 ans sont passés et c'est d'actualité. Ça m'a parlé comme s'il l'avait dit le hier. C'est ça l'éternité. C'est ça le secret du juif.
c'est l'éternité. C'est ça le Olam Haba. C'est ça que j'ai compris en écoutant ce cours. C'est qu'un juif, il est intemporel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas être dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, où tu vas accepter, imaginez, non mais pourquoi je prends cette référence et pourquoi je prends grave ce truc ? Lui-même qui disait j'étais un kippouriste. Donc quand je vous parle aujourd'hui, et tout le monde me connaît, je veux dire, j'ai pas fait Yeshivat Mir, hein, on est d'accord, d'accord ? La Torah ne s'adresse pas à ceux qui sont dans les Yeshivot. Qu'à ceux qui sont dans les Yeshivot. La Torah ne s'adresse pas qu'aux grands rabbanim. La Torah ne s'adresse pas qu'à ceux qui sont nés à Bnei Brak ou à Mehar Shearim. Tous ici, combien on est, la Torah, elle nous appartient. Morasha Keilat Yaakov. Elle est un héritage pour l'assemblée de Yaakov. C'est quoi l'assemblée de Yaakov ? C'est Israël. Qu'on soit religieux, pas religieux, qu'on ait eu des parents qui étaient pratiquants, pas pratiquants. Aujourd'hui, on est en Eretz Israël. Vous savez ce que c'est de vivre en Eretz Israël ? Est-ce que vous savez la grandeur ? Vous savez quelle mitzvah vous faites en Eretz Israël ou pas ? Est-ce que vous avez conscience de ce que vous faites ou pas ? Est-ce que vous avez conscience ? Chaque instant, écoutez bien, chaque instant que vous vivez en Eretz Israël, c'est comme si vous faisiez les 613 mitzvot. Donc si ça ne vaut pas le coup, qu'est-ce qui vaut le coup aujourd'hui ? Mais, étant donné que vous êtes dans la maison du roi, on va être un peu plus regardant au niveau des mitzvot. Bah oui, le mec, il fait ses besoins dehors, dans la rue. Bon, d'accord. Mais si le mec, il est dans la salle du trône et qu'il va faire ses besoins à côté du trône, on va un peu plus lui en tenir rigueur, oui ou non ? On va même lui couper la tête, d'ailleurs. Hein. D'accord, oui ou non ? Bah, c'est exactement pareil. Même si tu es dans la maison du roi et que tu as l'opportunité d'être là et d'être avec le roi, bah, comporte-toi comme il faut. Et le seul moyen de ne pas tomber dans le veau d'or, le seul remède au Yetzerara, c'est la Torah. Barati Yetzerara, Barati Torah Tavlil. J'ai créé le Yetzerara et j'ai créé comme épice, donc comme remède au Yetzerara, la Torah. Je vous dis franchement, et je peux vous l'assurer, et je peux vous le promettre, d'accord ? Et pourtant, je n'ai pas l'habitude de promettre, qu'à partir du moment où on va décider d'étudier la Torah, notre vie, elle va changer. Mais pas seulement de dire, je ne parle pas au niveau de la halakha, au niveau de notre pratique, parce que ça, la pratique, c'est une chose. C'est une chose. Mais de vivre sa Torah, c'est autre chose. Et je vous dis franchement, en étudiant la Torah, en rentrant et en acceptant, comme j'ai dit à Itzra, qui ne peut pas venir en ce moment, Yann, je lui ai dit vendredi, il était là pour la barmise à son fils, et je lui ai dit, à partir du moment où tu vas accepter d'être pénétré par la présence divine, d'accepter la Torah, qu'elle te pénètre complètement, ta vie est complètement, elle change. Pourquoi ? Parce que tu n'appartiens plus au Yisrara, tu appartiens à Kadosh Baruch Hu. Donc à partir du moment où tu appartiens à Kadosh Baruch Hu, à Mala Torah, il n'y a plus de place pour Yisrara. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Et qu'est-ce que tu dis à propos de cela que tu disais, Michael, enfin, tu disais c'est une grande question. Quels sont les symptômes hein